Bonsoir à vous tous, bienvenue dans le cadre de cette émission Les Rencontres de l'Inconscient. En cette nouvelle année, en ce 7 janvier 2023, ça passe une rapidité de fou, je me permets de vous souhaiter le meilleur de la source pour vous-même, au-delà de ce que souhaiterait notre petit ego pour cette nouvelle année, et de surcroît, vous avez de la chance, un très grand plaisir d'accueillir en ce jour Patrick M. Salem. Patrick, bonsoir à toi. Cher Laurent, un grand bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Patrick, écoute, t'es multicasquette, t'es un ami, un invité de longue date. Comment te présenter? Tu es psychothérapeute transpersonnel. On pourra d'ailleurs peut-être aborder ce que c'est que le transpersonnel, astrologue sidéral et karmique. Tu décodes notamment les corps énergétiques. Ce que certains appelleraient peut-être les lectures akashiques, hein, ou la mémoire cellulaire, de la médiumnité aussi. Tu enseignes le tarot de Marseille comme un moyen de connaissance de soi, et tu fais de la voyance spirituelle. Donc autant de termes un peu particuliers, mais qui sont, je pense, qui parleront aux connaisseurs. Reste peut-être à voir la casquette qui pourrait de prime abord rassurer pas mal de gens, c'est la psychothérapie transpersonnelle. Quand on entend transpersonnel, qu'est-ce que ça sous-entend, Patrick ? Transpersonnel, c'est un terme qui peut paraître un peu particulier. En fait, si on dit, pour essayer d'expliquer une thérapie psycho-spirituelle, on va mieux comprendre, c'est-à-dire un travail sur soi qui associe en même temps un travail sur l'ego blessé de la thérapie classique, de nos blessures, bien sûr, qui nous entravent dans notre évolution. Et évidemment, le côté spirituel, c'est-à-dire que dans ce travail, on fait appel aussi à ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire cette partie qui est au-delà simplement de notre ego. Et donc, en travaillant et sur l'ego blessé, on va dire, et sur une dynamique d'incarnation aussi, hein, l'importance de l'incarnation, et sur la partie lumineuse de notre être, on va associer les deux, le but étant de permettre de créer comme dirait Jung, un moi suffisamment solide, une personnalité solide incarnée, de débroussailler, de débarrasser tout ce qui est à l'intérieur et qui va permettre, et donc ce travail va permettre ensuite de laisser passer, c'est-à-dire de laisser place à cette lumière qui est en nous. Voilà. Je te remercie pour les explications. Je redonnerai à ceux et celles qui peut-être découvrent cette émission le cadre de cette dernière, à savoir, tout est dans le titre. Hein. Alors c'est assez subtil parce que des fois certains ne comprennent pas les rencontres de l'inconscient. Pourquoi ? En lien avec ce que vient de nous dire Patrick, nous avons de bonnes parties de nos conditionnements, de nos souffrances ou traumas qui conditionnent notre vie à notre insu. Donc c'est de l'ordre de l'inconscient chez la plupart des gens, hein, selon certains degrés. Hein. Et puis le but de cette émission, c'est de mettre en exergue ces parts inconscientes au regard de vos questions pour qu'elles deviennent conscientes. Hein, on dit, tu le confirmeras peut-être Patrick, hein, que 50% du travail est déjà fait quand on comprend ou on sait d'où vient le problème. D'avoir conscience du problème permet de résoudre le problème. Si on n'a pas conscience qu'il y a un problème, on reste dans les pieds dans la vase et puis autant essayer de se débrouiller pour nager entre les problèmes que la vie nous envoie, si on peut appeler ça des problèmes ou des épreuves. La vie étant généreuse, hein, elle est toujours là pour essayer justement de nous permettre de comprendre, d'intégrer justement à travers ces expériences le pourquoi de faire venir à la conscience ce qui était de l'ordre de l'inconscient, cher à Jung, puisque tu parlais de Jung. Alors, ça c'est une chose, vous pouvez venir poser vos questions personnelles ou collectives, individuelles. Quand je dis collectives, individuelles, ça peut être des questions d'ordre général qui concernent le collectif, ça peut être des questions vous concernant ou des questions, on va dire, en lien avec la connaissance de soi. C'est vous qui voyez, et puis Patrick, en fonction de ce qu'il ressent, vous dira ce qu'il pense et vous donnera en tout cas une réponse qui, somme toute, n'est pas ici dans le cadre d'une consultation privée, hein, ça prendrait trop de temps, mais qui vous donnerait suffisamment d'éléments pour justement y voir un peu plus clair. Après, libre à vous de le contacter ou pas selon vos envies. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui,
Donc pour ceux et celles qui souhaitent contacter directement Patrick lors de cette émission, j'allais dire de vive voix, et c'est là où c'est le plus intéressant, parce qu'un échange forcément intimiste permet d'aller beaucoup plus facilement en profondeur que de poser une question par le chat de YouTube. Donc si vous avez envie de venir sur le Discord d'Imedia, eh bien écoutez, ça serait qu'il y avait un très grand plaisir. Vous avez le lien dans le descriptif, me semble-t-il, auquel cas je le mettrai durant cette émission. Et puis, lorsque vous arrivez sur le Discord, nous sommes non pas dans le salon rencontre de l'inconscient, puisqu'il y en avait un problème technique en nous y mettant, donc on est dans le salon vocal modo, que vous pouvez voir, hein, de toute façon, c'est pas compliqué, il y a Laurent et Patrick A. Bon, bah voilà, c'est là. Donc vous pouvez double-cliquer sur le salon vocal modo et puis nous rejoindre pour nous faire part de vos questions. Avant d'ouvrir le salon, puisque pour l'instant il est fermé à juste Patrick et moi, l'occasion de répondre aux questions qui nous ont été envoyées par mail, j'en ai qu'une, j'allais dire, donc vous avez de la chance. D'habitude, comme à mon habitude, de toute façon, je réponds au préalable aux questions que vous avez envoyées par mail. Je vous invite à chaque fois à poser vos questions par mail. Vous êtes très peu nombreux à le faire, ça c'est vous que ça regarde. Alors que les questions sur le chat, bah, vous en avez plein et on ne pourra pas sélectionner toutes. Donc voilà, hein, encore une fois, on récolte ce que l'on sème. Hein, je vous dirais, si vous estimez que votre question, vous ne l'avez pas envoyée par mail parce que ce n'était pas si important que ça, vous ne pouvez pas après vous plaindre que nous n'avons pas répondu à votre question. Ça me paraît logique. Soyez cohérent, s'il vous plaît. Au même titre que lorsque vous écrivez vos questions dans le chat, vous mettez trois points d'interrogation. J'entends les questions destinées à Patrick. Si vous avez des commentaires, ben les commentaires, c'est vos commentaires, et dans ce cas-là, ça c'est une chose, mais si vous avez des questions, réflexions, ou vous souhaitez avoir l'avis de Patrick, vous mettez trois points d'interrogation, vous écrivez votre question, verbe, sujet, complément, voilà, c'est assez simple, mais la plupart du temps, excusez-moi, hein, je suis désolé, c'est pas pour vous réprimander, mais faut être cohérent, vous demandez beaucoup, en l'occurrence à moi, parce que la plupart de vos questions, en fait, ne sont pas des questions. La plupart du temps, vous affirmez les choses. Donc, si vous affirmez, c'est qu'il n'y a pas de questions et je vois pas pourquoi j'y répondrais ou Patrick. Au même titre que si c'est pas français, bah, ne vous étonnez pas si on ne comprend pas la question et qu'on passe à la suivante. Voilà, je vous dis ça encore une fois en préambule, parce que, y en a toujours qui râlent, qui sont déçus, mais bon, voilà, je me justifie, je vous explique la chose. Si vous ne suivez pas les règles du jeu, vous ne pouvez pas vous plaindre que vous ne jouez pas. C'est logique. Voilà, est-ce que Patrick, tu souhaites leur dire ce que bah, ton cadre, ce que tu leur proposes? Disons que tu as un peu décrit le cadre. L'idée, c'est que les personnes dans l'esprit de cette émission puissent poser des questions peut-être d'ordre général sur la spiritualité, sur les spiritualités, sur la thérapie ou les thérapies. Et puis aussi, si elles souhaitent demander des choses par rapport à leur travail intérieur, leur travail d'évolution. Je dirais tout ce qui concerne l'évolution, le travail sur soi, voilà, tous ces domaines. Donc, on va voir au fur et à mesure ce qui va être amené. Et dans le moment présent, hein, dans l'ici et maintenant, j'essaierai de répondre au mieux avec différents outils, ma perception intuitive, médiumnique. Également la date de naissance de la personne, voilà. Ok, eh bien on va commencer de suite avec le premier mail que j'ai reçu, qui est un mail de Nadia. Donc Nadia te posait une question qui est celle-ci. Après une année d'introspection, chemin en solitaire, peux-tu m'éclairer sur ma voie de conteuse et d'animer un atelier conte ou accueillir une autre voix? Voilà Très bien. la question, s'il en est. Alors Nadia, elle donnait sa date de naissance. Alors la première chose qu'effectivement que je remarque, c'est qu'elle a besoin de voir clair parce qu'elle a c'est pas toujours évident le discernement, de savoir vraiment ce qu'elle veut. C'est une problématique, en tout cas c'est un questionnement de son. C'est une évidence dans son thème. Alors, elle a une sensibilité, en tout cas, ce qu'on peut noter
créative, artistique, hein, ça c'est aussi un autre élément. Et donc plus particulièrement par rapport à la notion de la création d'un atelier de conteuse, hein, c'est ça. Oui. Oui. Alors, ce qui apparaît, c'est que, en tout cas, elle a besoin d'ouvrir, d'élargir. Donc, si elle me dit qu'effectivement, elle a eu une année de retrait, on a clairement cette idée de, voilà, cette idée d'expansion. Donc, par rapport à ça, oui, de passer de soi pour aller vers les autres, c'est une bonne chose. Et au niveau de ce qu'elle est, je pense que c'est quelque chose qui lui apporte dans l'idée du don, en fait. L'idée du don, l'idée d'ouverture. Donc en même temps, ce don et en même temps cette expansion, c'est cette idée d'aller vers les autres paraît plutôt intéressante. Donc je dirais que pour moi, je le ressens assez bien. Et puis, voilà, peut-être pas l'idée pas que ce soit dans un trop grand groupe, mais voilà, donc c'est une. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un petit travail à faire sur l'émotionnel, c'est-à-dire la grande sensibilité. Donc par rapport à cet émotionnel, voilà, qu'elle a besoin un peu de se stabiliser, qu'elle a besoin aussi d'être confrontée. Comporté, pardon. Donc tout à fait, non, je l'encouragerais vraiment dans ce sens par rapport à ce que je ressens. D'accord. Oui, Karine? Oui, Ah bah voilà, bonsoir. bonsoir. Bah voilà, Bonsoir. ça marche. Donc tu sais ce qui Bonsoir. allait pas? Pourquoi ça marchait pas, Karine? Est-ce que tu sais? J'ai une petite idée, mais c'est pas sûr que ce soit ça. C'est parce que vous étiez sur un Chanel Modo, donc c'est pour les modérateurs, donc avec certains droits. Et comme je ne le suis pas, bah, je n'ai pas les droits de modo, ce qui est normal. D'accord, et qu'est-ce que Loki ça fait alors? Bah, je ne sais pas. Il a rien fait. Je pense pas, je n'ai Non. pas eu écho. Ok, bah donc non, apparemment, parce que normalement le salon, je l'ai configuré pour que n'importe qui puisse venir. Donc il ne devait pas y avoir de raison, mais c'était pour savoir s'il y avait quelque chose. Alors ok, qu'importe. Donc vas-y Karine, je t'en prie, bienvenue à toi. N'hésite pas à poser ta Merci, question auprès de moi. Patrick. Bienvenue. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, j'ai des questions. En fait, je ne sais pas par laquelle mettre pour tout regrouper. Ah, c'est toi qui choisis. On peut pas t'aider à ça, à poser les questions ou la question. La question la plus importante, la plus spontanée. Ben, la question, c'est Ah, c'est ce qui s'appelle l'être scotché. ouais, parce que ça touche en fait tous les domaines. Et en fait, c'est en lien avec ma sensibilité. Et ouais. Allez, essaye de formuler quelque chose, sinon ça va être compliqué, Karine. Je sais que c'est peut-être Ouais, dur pour ouais. toi, mais on ne peut pas avancer dans le vide, quoi. Ou alors sinon, elle peut me donner sa date de naissance et j'essaye de regarder C'est toi qui vois, Patrick. contexte. Vous avez votre date de naissance? Bien sûr. Il vous faut l'heure ou pas? Ah, ce serait bien. Par contre, je vous le mets en MP. Non, on regarde pas les MP, je suis désolé Karine, parce que ça m'oblige à sortir du salon pour voir la MP. Je peux pas sortir du D'accord. salon, tu vois. Okay. D'accord. Donc, 27 09 27 965. 09 64, c'est ça?
75. 75. D'accord. Connaissez l'heure de votre naissance? 16h05. Et la ville? Mitry-sur-Seine. Et c'est dans le 77, c'est ça, non? 80. 94. De toute façon, c'est sûr qu'au niveau déjà, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui réagit très très fortement, enfin pour moi directement déjà au niveau du ventre. Donc, on va dire que il y a un trop-plein émotionnel, ce qui fait que comme il y a un trop-plein émotionnel, déjà vous avez absorbé beaucoup de choses émotionnellement. Donc c'est pas évident quoi, de ressentir un peu tout ça. Et la région du vent, tout ça, vous êtes sensible de cette région? Vous êtes Oui, surtout au niveau du diaphragme. Voilà, en fait, si vous voulez, au niveau de ce qu'on appelle le corps émotionnel, le corps astral, vous avez emmagasiné beaucoup de choses. Donc, si vous voyez, il y a trop de ressentis émotionnels et c'est comme s'il y avait besoin un peu de décharger un peu ça, de libérer un peu ça, pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit plus léger. Vous voyez? C'est assez compliqué dans le monde dans lequel on est parce que si on s'exprime, on n'est pas écouté ou on est semi-écouté ou on est écouté par miettes. Alors, quand on est dans le monde extérieur, c'est vrai que ça nécessite d'avoir une structure forte. Et donc après, ce qui fait que quand on a du mal à, quand on est comme ça très très sensible, très très réactive, eh bien, on peut avoir tendance après à se refermer. Est-ce que vous avez un peu travaillé un peu sur cet émotionnel? Je dirais avec quelqu'un, ou un peu en énergie pour libérer un peu ça. Ben, j'ai fait un. Je suis toujours en cours. En fait, je fais un développement personnel. Je tente de l'appliquer, mais il y a des moments où j'arrive à saturation. Oui, parce que le développement personnel, alors vous faites ça seul, en fait, ou comment vous faites? Oui, je le fais seul, j'arrive à. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est beaucoup trop engrammé, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop profond. Déjà, il faut déjà entrer dedans. Donc, c'est un peu compliqué parce que ça risque d'être limité, vous voyez? C'est-à-dire c'est dans votre d'énergie quoi. Donc il faudrait faire un travail plus avec un accompagnement, avec une personne qui travaillerait. Parce que l'énergie est ralentie aussi. Donc déjà vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que du point de vue de la communication, oui, c'est important déjà de parler, de dire. Ça, c'est le travail avec la parole. Mais on a l'impression qu'il y a effectivement une saturation. Donc quand vous travaillez, ça peut être bien, mais ce n'est pas suffisant parce que ça va revenir. Vous voyez, parce que c'est plus en profondeur. Alors je regarde juste un peu votre carte du ciel. Voir un peu qu'est-ce que ça me donne comme autre information. C'est quel département, Mitry-sur-Seine? C'est dans La la. 94. Ah, c'est 94. Oui, ben. Ouais. Je n'ai pas tous les départements. Alors, je n'ai pas. On va essayer de voir. Non, alors il n'est pas. Donc, apparemment, c'est pas si. Ce n'est pas Vitry-sur-Seine, c'est Mitry-sur-Seine. C'est ça, hein? Non, non, Vitry, Ah, V.
Ah oui, d'accord, ok, pardon. Alors effectivement, il y a... parce que Mitri, je connais l'ordinateur, je ne le connaissais pas. 1775. Mitri sur scène. D'accord. Donc c'est vrai que du point de vue de votre... C'est vrai qu'au niveau de la personnalité, aussi, vous avez une personnalité aussi qui est plutôt vers l'intérieur. Donc c'est pas évident. C'est pas évident d'affronter les choses, parce que tout est chez vous, dans votre structure, tout est à l'intérieur. Mais vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous comprenez votre structure très intériorisée. Donc déjà, c'est important de le voir, parce que ça veut dire avec cette structure-là, effectivement, on est sensible, on est à l'intérieur. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement. Et après, ce que ça peut dire aussi d'autre, si vous voulez, c'est l'ouverture. L'ouverture vers l'autre, l'ouverture vers les autres. C'est tout un travail qui est à faire. Parce que sinon, vous restez un peu dans le repli des choses, quoi. Voilà. Et donc, pour qu'il y ait ce contact, besoin sortir un peu de cette... Vous sentez que vous êtes un peu isolé, un peu que c'est difficile. Oui. Oui. Voilà. Ça c'est votre... En plus, vous avez... Voilà. Donc, il y aurait un travail. Je dirais que ce qui pourrait faire du bien, ça, c'est un titre personnel, ça serait pouvoir échanger, parler, peut-être un peu thérapeutique ou avec quelqu'un... qui respecterait cette structure. C'est une structure vraiment très intérieure, donc il ne faut pas que vous soyez brusqué. Voyez. Or, quand vous allez dans le monde, bah, effectivement, vous en prenez plein la poire. Est-ce que Karine, t'as déjà fait appel à un thérapeute? Voilà. Oui, comment ça s'est passé? Ben, il s'est senti un peu inutile avec tout le travail que j'ai fait. Parce que j'ai vraiment. En fait, je suis tombée dans une dépression. Et c'est pendant la dépression, en fait, que j'ai fait un énorme travail. Il y avait 4 dossiers. J'écrivais tout, en fait. Et j'accueillais tout. Toutes les souffrances, tout ce qui pouvait bloquer, j'ai même ouvert les yeux sur certaines choses où j'étais aveuglée. Oui, pendant la compréhension, mais énergétiquement, vous avez encore le poids sur vous, hein. C'est pour ça que vous avez fait un travail tout à fait respectable, mais énergétiquement, vous êtes complètement rempli de ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un travail. Alors, si vous avez fait un travail par la parole, c'est bien, mais au niveau énergie, c'est quand même assez lourd. Vous voyez, donc il y a quelque chose à... qu'on perçoit comme un poids. Voilà. Donc Donc, ça, il faudrait travailler, pardon, Laurent, de je t'en prie. manière vraiment du ressenti, d'ouvrir, de libérer, mais de vraiment libérer. Vous voyez, parce que dans vos centres d'énergie, vos centres, on va dire dans les corps d'énergie, il y a des choses qui sont engrammées. Et c'est ça qui reste. Donc peut-être des choses ont été comprises, mais quelque chose encore qui est encore là, donc il faut prendre le temps de retravailler sur cette structure qu'on appelle les engrammes émotionnels, les enregistrements émotionnels. Ok. Parce que, Voilà. en lien avec ce que dit Patrick, si tu veux, Karine, c'est intéressant de noter que bon, tu viens dans ce salon, si tu veux. Donc ça implique déjà que tu, alors que tu étais sur YouTube, tu viens ici, donc il y a une volonté, il y a un désir. Il y a quelque chose qui est là en toi qui est prêt à demander, ben voilà, j'aimerais des réponses ou j'ai des questions. Donc déjà, le questionnement, c'est super. Mais en même temps, quand on t'a demandé, bon, bah, quelle est ta question, y a un grand flou artistique, hein.
Mais ça, c'est normal, Laurent, parce que sa personne, sa structure, elle est déjà Oui, mais c'est pour ça que je le dis changée. en complément, si tu veux, de ce que tu viens de dire. Voilà. Parce que Je reviens. au niveau de la gorge et Mercure, la gorge est aussi bloquée. Donc, il fait toute une accoutumance, tout un temps. Bon, là, on ne peut pas le prendre parce qu'on ne peut pas faire une heure de thérapie. Et faudrait qu'elle prenne le temps ou à ce moment-là qu'elle me rappelle, je lui expliquerai hors de l'antenne. Ok. Et voilà. Ok? Donc voilà, alors juste pour finir, si tu veux, Karine, je trouve intéressant qu'il y ait une part de toi qui veuille, mais en même temps qui est incapable de formuler. Bon, là, ça rejoint ce que dit Patrick, si tu veux. Mais ce qu'a pu synthétiser Patrick est, à mon sens, tout à fait en lien avec quand tu me parles enfin, quand tu nous dis le travail que tu as eu l'occasion de faire sur toi, c'était pas la question que je t'avais posée. Je t'ai demandé si tu avais déjà été voir quelqu'un et en fait, tu m'as pas répondu sur ce qu'il a pu t'apporter. Tu nous as dit, bah, il a été dépassé. Mais dépassé par quoi? Tu vois, Tiens, c'est... elle l'a quand même dit, mais Bah, simplement après, je c'est. l'ai pas entendu. Moi, personnellement, je parle en mon nom, hein. Je l'ai pas entendu. J'ai juste entendu Bah, que tu as eu l'occasion d'écrire, suite à ta dépression, ce que tu as fait. Voilà ce que j'ai entendu. C'est juste ça. Ça veut pas dire comment ça s'est passé avec le thérapeute. mais Tu ce vois. serait peut-être un peu trop long de tout expliquer, mais. J'en doute pas, mais c'est en lien, si tu veux, ce que j'essaye d'exprimer, c'est la difficulté, et ça rejoint exactement ce que tu as dit, Patrick, de Karine à exprimer ou à répondre à une question comme celle que j'ai posée, qui était très simple, et qui finalement n'a pas été. Il n'y a pas eu de réponse. Elle a donné une réponse qui était la sienne, mais qui n'était pas en lien avec la question. Oui, parce que ça commun... déjà, Oui, ça j'ai bien saisi. communique. Le communiquer n'est pas évident. Je sais. Donc, c'est déjà bravo. Je lui dis bravo déjà D'accord, c'est d'avoir clair. appelé en direct parce qu'elle a fait déjà un gros effort. Et je, voilà, si on pourra se parler, j'essaierai Donc, tout de ça l'aider. pour synthétiser, Karine, que ayant moi-même, comme pour toi ou pour ceux qui écoutent, fait un certain chemin, seul, c'est pas impossible, hein, c'est plus long. Le thérapeute, lui, il est là en miroir. Il est censé nous aider à aller plus vite sur le regard qu'on porte sur soi-même et à mettre en exergue justement ces parts inconscientes. Si elles sont inconscientes, c'est qu'on ne peut pas en avoir conscience. Alors la vie nous renvoie encore, c'est exactement ce que je disais au début de l'émission. La vie, de toute façon, au travers des épreuves qu'elle nous envoie, des rencontres, des événements, tout est fait pour nous amener à prendre conscience. Mais on peut Oui, accélérer la mais chose avec un je peux quand même thérapeute. rajouter quelque chose. Vas-y. Après, le thérapeute, justement, il y a des thérapeutes, il y en a de toutes sortes, et il y en a tout à fait qui peuvent être limités parce qu'ils n'ont pas cette dimension, et ce n'est pas une critique, d'accès à l'énergétique ou d'accès à l'être. Et dans cette structure plus profonde, se glisse et s'enregistre un certain nombre de blocages. Donc, il faut déjà essayer de les sentir. Et percevoir. Et puis, bon, par exemple, là, on regarde la structure astrologique. Par exemple, quand moi je travaille, je vais recevoir quelqu'un, je regarde d'abord sa structure. Donc, c'est un outil pour voir quel type de travail la personne pourrait faire. Hein. C'est un peu ça quand je fais des bilans. Donc, là, véritablement, on voit qu'elle a besoin d'ouvrir la parole, qu'elle a besoin d'ouvrir un peu la carapace, la structure, parce que quelque chose est un peu fermé. Donc à ce moment-là, en voyant, on peut essayer de proposer différentes techniques qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et je peux tout à fait comprendre que certaines personnes peuvent être dépassées parce que pour travaillé avec différents types de personnes, il faut essayer de proposer Des outils en tout cas adaptés. un protocole, voilà, un protocole qui soit personnalisé. Et par exemple, voilà, il y a des personnes, certains protocoles ne correspondent pas. Et voilà un petit peu pour. Merci à Est-ce toi, que je pourrais Patrick. te contacter? Est-ce que Merci, je pourrais te Karine. contacter? Pardon. Voilà. On t'a pas entendu, Karine. Est-ce que quoi? Est-ce que je pourrais vous contacter par le biais de Discord? Bah, Toujours pareil, regarde sur. Karine, on... regarde sous le lien de YouTube. Tu as le lien d'Immedia.
Sur le lien d'immédiat, tu as Patrick à MCM, tu cliques dessus, tu vas avoir toutes ses coordonnées, ses informations, etc. Tu as notamment donc son mail, son site internet, son numéro de téléphone, etc. Parce que là, pour le Ok, coup, je très te bien. dis, Patrick, Discord, c'est pas son truc. D'accord. Encore Bon, moins que donc, moi. Donc, voilà. Je n'utilise pas le Discord, mais j'utilise d'autres choses. Voilà. 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 Ok, Bon, merci. Bon, bah, merci. bonne Je vais prendre soirée. les informations. Allez, bon courage. Bonne Bonne soirée et merci. Merci De Karine, au revoir. rien. Au revoir. Alors, bah voilà, elle est sortie toute seule, super. Et donc avec nous, on a Manu. Manu, bonsoir. Bonsoir. Vous Bonsoir Manu. m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Manu. Bonsoir Laurent, bonsoir Patrick. Voilà. Donc moi, ça fait quelque temps que je suis, on va dire, dans une voie spirituelle, de non-dualité. Donc le chemin se fait tranquillement, mais voilà, on découvre au fur et à mesure des choses sur son passé. En ce moment, je vois des thérapeutes. Et toutefois, je suis un petit peu en crise, en fait. Parce que, notamment, mon métier ne me correspond plus du tout. Et je suis perdu, en fait. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Parce que le travail prend une grosse part dans la vie. Et je ne suis pas très bien. Voilà. Donc, je ne sais pas Ok. si vous avez des idées. Alors, est-ce que vous avez votre date, heure et lieu de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 2 juillet 1982, à Champagnole, et quant à l'heure, je suis désolé, je n'ai pas fait attention, je vais pas dire de bêtises, je me rappelle Champagnol, plus. le département, c'est quel Dans département? le Jura. Dans le Jura. Dans le Dans le Jura, Jura. c'est quoi 39. le 39? Merci. D'accord. Pour l'heure, vous n'avez pas du tout d'idée. Alors, je vais regarder un Il petit me peu. semble que c'est 15h20, mais voilà, je veux pas Vous avez vous le temps imbiber. de regarder. Vous regardez. Comment? Je dis, je vais regarder déjà un petit peu ce que j'ai par rapport à votre questionnement socio-professionnel. Donc, qu'est-ce que tu fais actuellement là pour le coup, Manu? Actuellement, je suis moniteur auto-école. Alors, c'est un métier qui me plaît dans le sens où l'enseignement, le contact avec les jeunes pouvait être agréable pendant un temps de ma vie. Et puis, à l'heure actuelle, je me sens en décalage déjà avec la génération. Et puis, la circulation, en fait, le côté citadin, j'ai beaucoup de mal, quoi. Je peux plus. Toute la folie citadine, j'ai du mal. Parce que là, Voilà. t'habites où là? Je suis sur Besançon, donc en Franche-Comté, hein, dans le Doubs. Ok, Ça ok. s'écrit Champagnole avec un L seulement. Alors, Champagnole, c'est Champagnole. Ah, Champagnole. d'accord, ok. Petit instant. Donc en attendant que Patrick trouve justement établisse un peu la carte du ciel. Ah voilà, Champagnole 39, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est de tes envies alors tu dis que t'es paumé Manu, mais on va dire est-ce que tu as des désirs, est-ce que tu as des besoins, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu as identifié ça? Au moins tes besoins. Justement, Voilà. je sais plus ce dont j'ai besoin, en tout cas. Ah d'accord. J'ai besoin de calme, on va dire. Le calme est important, mais va devenir de plus en plus important. Ok, alors on n'a pas l'heure, c'est 15h20, c'est ça? Donc, on va rappeler l'heure de 15h20. 15h20, c'est ça? Oui. Et il s'affiche. Alors, ce qui est sûr et intéressant, c'est qu'effectivement, il y a le besoin de variabilité, c'est-à-dire que dans ce que peut-être vous aimez dans l'auto-école, c'est que ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a l'idée du mouvement. Donc c'est vrai déjà qu'au niveau du travail, il faudrait quelque chose qui soit un peu dans ce mouvement.
Après, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même un peu angoissé en ce moment, vous êtes inquiet intérieurement avec l'idée du mouvement. Donc, c'est vrai déjà qu'au niveau du travail. Oui. Non, non, Mais je disais, est-ce que vous vous sentez un peu inquiet ou un peu noué à l'intérieur? Oui, parce que on arrive dans une situation économique où justement j'aimerais changer de métier, mais où la situation, on ne sait pas exactement où on va parce que voilà, il va y avoir des crises dans les mois qui viennent, je pense, ça va être compliqué. Et puis après, j'ai aussi mon travail personnel sur le fait de remettre en lumière Alors, des parts de voilà. mon enfant. Là, si on veut parler de cette partie-là, effectivement, c'est-à-dire que pour pouvoir vraiment bien trouver, c'est un peu qui il y aurait besoin effectivement de. Moi, je sens beaucoup le plexus solaire, hein, troisième chakra, au-dessus du nombril, donc entre le nombril et le sternum, si vous avez quand même une sorte de boule. Donc, quelque part. Pour pouvoir voir clair, pour pouvoir, alors que vous êtes avec du travail, il y aurait à libérer un peu, mettre un peu plus de. C'est aussi la confiance, si vous voulez, le troisième chakra. Donc il y a quelque chose qui est à ouvrir sur la confiance. Maintenant, comme on n'est pas certain de l'heure, ce qui est sûr, c'est que. En tout cas, là. Ce qui est à l'intérieur, c'est que ce qui est dégagé, c'est que c'est un peu comme un peu si c'était un peu obstrué. Vous voyez? Obstruction à l'intérieur, obstruction à l'extérieur. Là, vous n'avez pas quitté votre travail de Non, moniteur. Hein. Non. non, non, Alors, ça, on n'est c'est pas déjà quitté. une bonne chose, parce qu'il ne faut pas quitter la proie pour l'ombre, déjà. Mais ce que je vous conseillerais, moi, en tout cas, c'est que. Il y a comme des, moi je dirais, il y a comme des angoisses ou comme des choses à aller voir. Et tout en gardant, parce que le fait de bouger, le fait de mouvement, vous aimez ça. Le fait d'avoir des élèves différents, vous aimez ça. Oui, c'est quelque chose qui correspond, je pense, à quand même Voilà. un besoin d'activité en moi. Ouais, Donc je vais ça, pas. ce besoin est caractérisé par les Gémeaux dans le thème. Et même d'une manière générale, c'est-à-dire même si vous allez vers autre chose, il y a quand même ce besoin, cette curiosité aussi, qui est quand même importante. Et donc après, moi, ce que je conseillerais, en tout cas dans un premier temps, c'est de garder ça, de regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ce qu'on va appeler la partie ombre, c'est-à-dire au fond. D'aller regarder. Et à ce moment-là, bon, il y aurait peut-être plus de clarté, c'est-à-dire plus de clarté intérieure, pour pouvoir trouver le chemin. Mais en tout cas, le chemin, il n'est pas dans quelque chose de trop rigide, il est dans quelque chose, dans une variabilité, dans une souplesse et dans une légèreté. Vous voyez, parce que énergétiquement, c'est ça qui est à lui. Vous voyez, donc en travaillant, alors après, comment vous travaillez, c'est une chose. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous utilisez comme technique. En thérapie, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous utilisez avec quel type de travail? Quel type de travail vous faites? Alors là, j'ai attaqué un travail en EMDR parce qu'en fait, j'ai beaucoup de colère en moi qui sont dues à des moments, je pense, douloureux dans mon enfance. Donc, je commence tout juste cette méthode-là pour, on Oui, va ça dire. peut être bien pour les MDR et bien pour les chocs ou les choses qu'on a subies, oui. Oui, et Ça peut être donc on va intéressant de dégager. voir. Et Mais en parallèle, je fais aussi un peu de massage énergétique pour débloquer aussi dans le corps, qui est une manipulation d'énergie parce que je ressens bien que ça bloque. Voilà. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de souffrances, si vous voulez, qui sont Pardon, ça a beaucoup de coupé.
beaucoup de souffrances, des souffrances. Vous m'entendez là? Oui. Voilà, des choses assez profondes, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans des choses assez scorpions. Donc il y a des choses qui tiennent de l'inconscient, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a besoin de. Alors il y a le massage, il y a le MDR, et puis d'aller creuser un peu là-dedans. Mais il y a quand même une. Ce que je ressens au niveau intérieur, c'est qu'il y a quand même une certaine lumière, hein, qui est là. Qui est votre partie, votre conscience supérieure, et que là-dedans, voilà, il y a quand même de la lumière, il y a quand même une guidance intérieure. Mais ça n'empêche pas que même si on travaille sur la non-dualité, etc., et c'est formidable, il y a besoin de libérer pour moi la troisième porte et la quatrième, c'est-à-dire celle du cœur, parce que celle du cœur, elle nous donne l'ouverture, elle nous donne le relationnel. C'est-à-dire que vous avez un bon lien avec les autres, mais vous avez besoin de retrouver un bon lien avec vous. Vous voyez, c'est-à-dire une joie avec vous, une légèreté avec vous. Et c'est comme si toute cette partie ombre. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait peut-être en complément un petit suivi. C'est-à-dire que ça, vous avez des techniques. Donc utiliser des techniques, c'est bien. Mais. Pas l'utilisation de techniques, c'est pas vraiment un travail, c'est un travail avec des outils et un travail thérapeutique. Ça permet de, si vous voulez, d'unifier un petit peu tout ça, voilà, Oui. avec les blessures et tout ça, et de permettre de mettre le puzzle, je dirais, le puzzle en place. Vous avez effectivement des choses à aller voir. Par contre, peut-être au niveau affectif, vous avez été dans des choses, vous aimez quelque chose d'assez stable, vous avez. Là, oui, je suis en couple depuis 1 an et demi. Voilà, on est Voilà, en ça c'est bon. appartement. Ça c'est Voilà. bon parce que si vous voulez, dans votre affectif, ça vraiment. Ça, alors, c'est pas la seule chose, mais ça c'était le bon point. Hein, vous voyez qu'on voit dans votre carte du ciel. Hein, mais c'est quelque chose qui donne un appui. Après, il y a les blessures intérieures et toutes les précautions. Voilà, il faut faire. Parce que le MDR, vous avez déjà fait quelques sessions de MDR déjà? Alors, ouais, moi, avec mon thérapeute, on n'a fait qu'une session pour le moment où on va dire, commencé à ranger un des traumas possibles. Et Ouais. il y en a encore deux, trois à aller voir, ça c'est sûr. Et c'est vrai que parce que j'ai une colère en moi qui prend trop de place. Donc, Voilà, il y a un donc. besoin, pardon, un besoin de trouver je dirais, la modulation, trouver plus de souplesse dans la façon d'être. La souplesse. Et donc quand vous allez avec les autres, quand vous travaillez avec les autres, avec le jeu, eh ben ça amène à travailler, ça amène à s'adapter. C'est pour ça que Oui. ce job que vous avez, il est certainement pas par hasard, parce qu'il vous amène des personnes différentes, il vous amène des visions différentes. Et en quelque sorte, ce que je disais, c'est que si c'est associé à un bon travail. Il faut éviter tout ce qui est excès, mais voilà, ça demande d'y aller voir, quoi. Non, mais c'est vrai que ces derniers mois, je sens que je manque de souplesse, ça c'est clair, au niveau Voilà. de voilà, au Ça, niveau c'est un petit peu, de voilà, l'acceptation, tout c'est un ça. petit peu, on va dire, c'est un petit peu karmique. C'est C'est vrai. qu'on va dire du karmique, c'est qu'on va dire qu'on n'a pas qu'une seule vie, qu'on a eu plusieurs vies, plusieurs corps, et qu'effectivement, cette colère que vous sentez, ces excès, alors d'un côté, vous essayez de moduler avec les autres, mais il reste des choses, comme on a dit, un petit peu violentes. Et si cette violence sort, si cette violence s'apaise, si vous travaillez dessus, voilà.
ça pourra aider à... Vous êtes venu pour apprendre cette modulation, mais voilà, c'est tout un travail. Là aussi, comme pour Karine, très lié beaucoup à l'émotionnel, à l'hypersensibilité, le trop-plein émotionnel. Et comme on le sait actuellement, on est dans un monde qui est très, très, très émotionnel. Et donc, évidemment, quand on est déjà très émotionnel et qu'on est dans ce monde-là, ça devient insupportable, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à supporter beaucoup de choses. Voilà, parce qu'on est vraiment dans cette vibration. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas pouvoir changer tout ça au niveau global, mais par contre, si chaque personne, comme vous, comme moi, comme une autre personne, travaille sur cet émotionnel, eh bien, vous allez pouvoir apporter cette modulation. Et puis aussi en faisant des choix, quoi, en décidant. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de continuer votre travail, de travailler avec les outils, et puis peut-être de faire quelque chose, mais qui unifie un peu tout ça. Voilà. Un travail thérapeutique un peu plus suivi. Est-ce que... Voilà. Après, le thérapeute que je vois a plein d'outils enfin, est capable d'avoir un peu de suivi aussi. Il va dire qu'il est il est un peu multicarte. Donc on verra comment on peut Très bien. unifier avec, C'est avec très bien lui. déjà d'avoir la démarche, de faire une démarche et de pouvoir alors d'être multicarte et puis ensuite de pouvoir associer quelles sont les bonnes cartes et quel est le suivi, quel est l'accompagnement, que l'accompagnement, le suivi, dans ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, la solidité du lien va aider aussi. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci Voilà. Manu. Belle soirée à toi. Merci à vous. Bonne soirée, Merci, bonne bonne soirée à année vous aussi, aussi. bonne année. Mes meilleurs vœux. Oui. Bonne soirée. Et nous accueillons Valérie, si Valérie va bien. Alors Manu, je t'inviterai à sortir du salon pour laisser la place à ceux qui suivent et qui voudraient venir avec nous. Auquel cas, je vais te sortir si tu sais pas comment faire. Laurent, tu vas faire le Oui, videur au c'est miroir. ça va être un peu ça. Non. Alors, je regarde comment on fait. C'est en même être cette personne à l'avant-plan. On doit être déconnecté. Voilà. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Valérie. Ouais, vous m'entendez, ça y est. Ah oui, on t'entend très bien. Tu sais ce que tu as J'étais. changé? Ouais, non, j'étais pas au bon endroit, en fait. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à vous joindre. Ok. Ok. Bah, on t'écoute, Valérie. Alors, je suis née le 10 février 1967 à Désertines, c'est dans l'Allier 03. Alors, ma question, Et à quelle heure? pardon, Et à quelle alors je suis née, je ne sais pas l'heure exacte, je suis née autour de 17 h. D'accord. Donc 10 février 67, Dessertine 03, 17 h. Ok. Voilà. Désertines, ça prend un S à la fin. D'accord. Alors voilà, ma question, c'est bah, comme un peu tout le monde, un mal-être qui demande de l'aide. Et jusqu'à présent, c'était j'essayais de le gérer dans le mental, plutôt à l'intérieur. Mais là, il s'exprime par des mots, M-A-X. Alors, est-ce que c'est parce que je vieillis aussi, peut-être, mais j'avais déjà un petit peu mal au bas du dos. C'était récurrent. J'ai fait une tendinite. Et là, j'ai mal au ventre. Enfin, je sens que mon corps, il me parle. Et en fait, j'arrive pas à décoder. Je suis un peu bloquée dans les voies que je pourrais suivre. Et du coup, j'ai regardé Espace Thérapeute avant l'émission et la manière holistique de votre approche m'a tout de suite aidé en me disant bah, peut-être quelqu'un qui pourra m'aider et me dire vers quoi me diriger. Oui, c'est-à-dire que le but, c'est déjà de regarder ce qui se passe. Si des choses ne sont pas réglées sur un certain plan, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, d'un point de vue énergétique, ça descende ensuite du point de vue de l'énergétique vers le physique, vers le physiologique. Donc après, il faut voir. Alors,
Je ne sais pas si l'heure est plutôt exacte, le 17h. Ah non, mes parents n'ont jamais su me dire, c'est autour de 17 h, mais j'ai Ah pas l'heure exacte. Dans ouais. l'après-midi, mais c'est tout ce que j'ai su. D'accord, ok. Donc, ça pose un petit problème, mais bon, on va regarder quand même. De toute façon, est-ce que vous sentez que vous avez une structure un peu, que vous êtes une structure assez sensible, en fait, que vous ressentez beaucoup de choses par rapport à l'extérieur? Oui, parce que c'est un peu ce qui m'a ma porte d'entrée vers la spiritualité, ce qui m'a conduit aussi vers Laurent et d'autres, c'est que je sentais que il y avait des choses que je décodais, je pensais que c'était universel, et en fait, je me suis aperçue que bah, je faisais partie de ceux qui avaient la sensibilité de sentir que l'autre, enfin, la structure, pas la structure de l'autre, parce que ça serait prétentieux, mais quand je vois quelqu'un, j'ai des impressions comme ça, et je suis sensible. Non, il y a une structure assez, je dis pas, même médiumnique, qui capte beaucoup Ouais. choses. Donc déjà à partir de là, c'est déjà bien parce que quand on sent des choses, vous pouvez ressentir ce qui se passe au niveau du corps. Alors moi, ce que je ressens comme vibration, j'ai une vibration à l'arrière de la tête. Alors je ne sais pas, vous avez des maux de tête parfois derrière la tête. Non, j'ai jamais de maux de tête. C'est moi, c'est vraiment, c'est plutôt dans la région sacrée que j'ai c'est bloqué. Enfin, que je sens des blocages, moi. D'accord, alors en tout cas, il y a un blocage aussi dans le plexus solaire, c'est-à-dire qu'au niveau du troisième centre, et un petit peu au niveau de la respiration, c'est-à-dire du diaphragme, c'est-à-dire qu'on sent que quelque chose, il y a l'idée ou l'envie, ou en tout cas l'aspiration à plus s'ouvrir, plus respirer. Voilà, alors au niveau physiologique, est-ce qu'au niveau médical, vous avez des choses qui vous ont amené à consulter des médecins ou pas en fait? C'est pas suffisamment, c'est des douleurs, mais c'est pas suffisamment Ah pathologique. si, là, je vais, enfin, je veux pas embêter tout le monde, mais je vais avoir un scanner parce que je fume. Donc, je vais avoir un scanner Voilà. pulmonaire. Donc c'est la respiration. Et Ouais. ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ici au niveau diaphragme, donc en général. Donc c'est bien de le faire parce qu'il n'y a pas que l'holistique, il n'y a Bien pas que sûr. le spirituel. Et bien évidemment, on contrôle médicalement si qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Après, il y a l'idée de pouvoir, oui, cette idée symboliquement de pouvoir respirer, de pouvoir aussi décider, de pouvoir oser. Vous voyez, il peut y avoir parfois d'un manque d'hésitation, de. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai plein d'idées qui tournent dans ma tête, j'ai plein d'envies et elles restent, elles avortent dans l'œuf parce que j'ai pas l'énergie pour les mettre en route. Voilà, alors d'une part, il y a l'énergie, comme évidemment c'est bloqué, on va dire au niveau du prana, au niveau de la substance énergétique, mais quelque part, c'est vrai aussi qu'il y a cette idée de En tout cas, on va parler dans cette vie, on va parler dans cette incarnation, de prendre votre place, d'oser expérimenter des choses. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à hésiter, c'est pas toujours facile. Donc, en retrouvant une libération, c'est-à-dire quelque chose qui se libérerait, alors déjà on contrôle physiologiquement, s'il n'y a rien, tant mieux. Mais l'idée de fumer, si vous voulez, quand on fume, etc., souvent, c'est des problématiques un peu affectives et on met un voile dessus. Donc, de toute façon, il y a quand même des choses qui sont possibles. Par contre, au niveau énergie, je ne sens pas beaucoup d'énergie dans vos jambes. Vous voyez, Oui, c'est vrai. une captation comme si vous n'êtes pas vraiment, comme on dit, bien ancré. Le terme est un peu galvaudé, bien ancré, bien dans ses racines. Okay. Et donc, si grosso modo, si un travail est fait pour libérer ce qui est en vous,
Là, vous avez arrêté de fumer. Non, j'ai arrêté, repris, j'arrête pas d'arrêter. Alors ça peut être déjà un questionnement déjà très, très concret, très pragmatique. Mais si vous arrivez déjà à mieux respirer, mais que l'énergie se débloque vers le haut, à ce moment-là, le sacrum qui est l'intermédiaire, situé entre les deux, peut permettre de conduire cette énergie. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez une personnalité quand même, vous êtes assez indépendante comme personne quand même. Ah bah oui, très très Ah oui, indépendante. vous êtes C'est même problématique, c'est très trop. indépendante. Voilà. Pardon, allez-y. C'est même trop même. J'arrive pas. Ouais, je suis toute seule et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un parce que enfin si, je sais que je bloque. Vous aimez bien Mais... être seul aussi. Vous aimez bien. Oui. Voilà. Oui, Donc, mais à un moment, trop, c'est trop. voilà. Donc, ce qui veut dire que déjà, la première chose, enfin, ce que je pourrais me permettre de conseiller, c'est déjà de travailler sur cette énergie pour que ça puisse déjà mieux respirer ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, au niveau de la poitrine, cœur, poumon, on est dans Vénus, que Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'ouverture du cœur. Donc, si déjà ça circule mieux à ce niveau-là, et effectivement, vous avez une grande barre dans le dos également. Oui, Donc, tout à fait. vous êtes complètement bloqué derrière au niveau du dos. Et évidemment, il y en est plein le dos, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre de cette solitude. J'en Ouais, ai c'est ça. ras-le-bol de ça. Et effectivement, donc d'abord se dire qu'est-ce qui est en moi. Et de toute façon, même si vous rencontrez quelqu'un, il faudra quelqu'un qui vous laisse un petit peu dans votre. Qui ne soit pas tout le temps après vous. Ah non, c'est sûr. Sinon, ça vous étoufferait. Donc la clé, c'est de travailler sur. Je libère déjà en moi un certain nombre de choses. Et puis je vais de l'avant. C'est-à-dire je vais de l'avant. Ça serait quoi l'outil? Ça serait un soin énergétique, l'hypnose, ça serait vers quoi? Un soin, ça sera un protocole. Bon, là, ça serait peut-être un peu long d'expliquer, mais il faut un protocole adapté, si vous voulez. En tout cas. J'ai regardé sur votre site, je ne sais pas si c'est possible, j'ai pas trouvé les tarifs tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu et j'ai pas compris. Ça parce En que privé. ça dépend D'accord. du protocole. C'est-à-dire que si vous voulez, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à quelqu'un qui parlait, c'était Manu, je crois, ou je ne sais plus, ou Karine. En fait, il y a des engrammes, c'est-à-dire qu'il y a des blocages d'énergie, que l'énergie, c'est vraiment très, très important, et que quelque part, dans cette énergie, vous avez des mémoires, si vous voulez. Et donc, à un moment donné, bien sûr, on regarde le physiologique, et puis on regarde dans ces mémoires, et à partir de là, on peut le travailler et vous permettre d'être plus fluide. Vous voyez, dire un soin comme ça serait peut-être peu rapide, mais disons que en tout cas, faut travailler sur ce plan-là. Et comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas une seule technique, c'est-à-dire selon les personnes. Ouais, Voilà, pardon. oui, c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé Espace Thérapeute tout à l'heure, l'émission. J'ai vu qu'il y avait des différentes approches selon les besoins et c'est ce qui m'a paru très intéressant. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a besoin de travailler et sur des techniques de respiration qui débloquent le haut, et sur des techniques énergétiques, et sur votre bassin qui est avec la barre qui est dans le dos. C'est pour ça que vous avez une barre dans le dos et que l'énergie ne descend pas dans les jambes. Donc il y a un problème Ouais. d'être ici. Et donc j'aimerais bien être plus aller plus vers l'avant. Mais j'y arrive pas parce que cette énergie-là, elle est profonde. Hein, c'est l'énergie qui est dans notre structure profonde. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez quand même une certaine persévérance aussi. Hein. Enfin, vous avez Ah une certaine. oui, je lâche rien. Voilà. Alors ça c'est bien. Ça c'est bien parce que quand on travaille sur tout, il y a, comme on a dit, des outils, mais les outils ne sont pas une thérapie, c'est différent.
d'un outil. Ouais, mais là où je vois que je suis aux limites, c'est que je lâche rien, mais c'est mon corps qui lâche. Donc du coup, c'est là où je me dis, il faut faire quelque chose Voilà, d'urgence. il faut trouver exactement si le corps lâche, c'est-à-dire votre corps vous envoie dans votre structure profonde, c'est-à-dire dans l'ossature, hein, dans l'os, parce que c'est l'ossature, mais il vous donne l'information, il vous dit il y a quelque chose qui n'est pas lâché, il y a quelque chose qui est trop tendu. Et donc à partir de là, il faut avoir une certaine lecture avec certains outils, plusieurs bilans je pourrais vous proposer. D'accord. Vous préférez par mail ou on peut vous appeler directement? C'est quoi la meilleure technique? Peu importe. Pouvez envoyer un mail et puis après on peut Ouais. parler et voir ensemble. Voilà. D'accord. Voilà. Avec plaisir. D'accord. Bon. Et ben, merci beaucoup Laurent. Merci Patrick. Merci Bonne fin de Valérie. soirée. Toi aussi. Ouais, merci. Bon week-end. Au revoir. Merci. Alors, déconnecté. Hop. Alors Serge, pour le coup. Serge, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent et bonsoir Patrick. Excusez-moi tout à l'heure. Hein. Oui, Bonsoir. j'avais coupé ton micro parce que t'avais ouvert, ça résonnait, donc voilà, on ne s'entendait plus. Oui, j'ai eu un souci. Voilà, je suis né le 12 août 1965 Ouais. dans le Val-de-Marne, de 94. À Ouais, Charenton. quelle est la ville? Charenton, le pont. Charenton? Ouais, le pont. Ah oui. 94. Et l'heure de naissance, vous la connaissez? Non, je ne la connais pas. C'est très tôt le matin, aux alentours de 6-7 heures, mais je ne saurais pas vous dire. Pas toujours évident d'avoir la date, d'avoir l'horaire de naissance. En principe, c'est marqué Oui, sur le livret de famille. voilà, sur le livret, voilà, sur le décembre. Effectivement, quand on n'a pas usage, on ne va pas nécessairement chercher. Alors, juste un peu les données. Merci en tout cas pour cette émission. Et Laurent, j'écoute souvent dans Cédar Chan et dans son émission du vendredi aussi. Voilà. Bah, content que ça te plaise. Alors, quelle Ça me plaît serait beaucoup. ta question, Serge? Alors moi, je suis sur un chemin de connaissance de moi, de soi, de mon soi, depuis beaucoup d'années, une quinzaine d'années, oui. Je dirais une vingtaine d'années. Je voulais savoir si ça allait progresser et si j'allais trouver un équilibre entre ce développement, ma vie professionnelle qui apparemment ne me convient plus. Je voulais savoir si j'allais pouvoir donner une orientation autre et allant vers le développement et la transmission. Vers l'aide aux autres. Voilà, Alors, c'est. la question, c'est comme on n'a pas l'heure, c'est-à-dire que je suis un peu limité, je n'ai pas toutes les informations. Mais en tout cas, Je alors vous. déjà, ce qui est noté, c'est que sur le cheminement, il y a besoin d'aller vraiment vers un apaisement, ou en tout cas vers quelque chose qui stabilise vraiment, hein, parce qu'on doit passer du scorpion au taureau et le besoin de stabilité. Donc, c'est vrai que le travail spirituel, le travail intérieur, c'est d'amener quelque chose qui ancre au niveau stabilité et qui pacifie. Donc, est-ce que dans le chemin intérieur, c'est quelque chose vers lequel Oui, tendez? je donne déjà, je dirais, des cours bénévolement à un groupe, des cours de Tai Chi Chuan, des cours d'art de combat interne, donc ce qui est relation à l'autre, entrée dans l'instant présent et travaux sur l'intention, enfin Oui. beaucoup de travaux. Je suis déjà dans ce registre-là. Voilà, Voilà et puis quelque chose j'ai. qui pose, quelque chose qui apaise, qui vous permet en même temps d'ancrer, vous voyez, la notion c'est l'ancrage. Et est-ce que dans vos cours, tout ça, vous aimez, vous faites ça un peu dans la nature ou pas du tout? Oui, alors moi je donne mes cours dans un jardin public. Alors c'est parfait. Parce que vous avez vraiment
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très marqué. Et donc, vous êtes seul un peu dans votre... Oui. Ouais, il vaut mieux que ce soit seul que dans une association, d'ailleurs. Et effectivement, donc ça paraît être bonne... Ça paraît être une bonne voie. En tout cas, il y a aussi la notion de persévérance, c'est-à-dire que ça prend aussi une notion de temps. Le temps, il est important. Toi, mais en tout cas, les personnes qui viennent sont contentes. Extrêmement, oui. Ouais, parce que vous avez une vibration très, très apaisante et en même temps, si vous voulez, en faisant ça, ça vous fait du bien à vous. Vous voyez, parce que dans votre thème, on voit qu'il y a besoin de, dirais, d'être avec des gens qui vous disent bah, c'est bien ou qui vous renvoient un peu cette idée de bah, vous faites quelque chose de bien. Parce qu'on a un petit peu dans votre enfance, vous avez été un peu subi un peu un isolement, il y a Oui. un manque affectif, c'est ça? Un isolement, oui. J'ai perdu mon père assez rapidement, donc Voilà. Parce qu'il y a c'était une ça. notion d'abandon, vous voyez, qui apparaît, entre guillemets, l'abandon, la perte du père, c'est ça. Et donc, ce que je ressens, c'est que progressivement, il y a une. Là, on est dans une phase, alors là, c'est plus un ressenti vraiment de reconstruction et de transmission. Et vous avez plusieurs classes déjà ou une seule classe où vous avez plusieurs... J'ai un groupe d'une dizaine d'étudiants déjà. Voilà, super. Non, non, c'est très bien. Pense que c'est ce qui est à continuer. Et parallèlement, vous... Travailler un petit peu sur ce manque du père, etc. Non, j'ai pas travaillé là-dessus, non, non. D'accord. J'ai beaucoup travaillé sur moi, beaucoup de travaux sur la conscience, Oui. travaux de méditation assez poussés, assez précis, avec un ami qui est un neuroscientifique et donc un chercheur. Donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Donc, en fin de compte, c'est bah, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 22 comme ça? J'ai pensé au 7, donc je vais vous donner le 7. Ouais. C'est juste qu'on va regarder avec le tarot, pour utiliser un autre outil. Ah oui, c'est l'incarné, si vous voulez. C'est l'incarné, c'est l'empereur que vous avez sorti. Donc l'empereur, c'est l'homme qui s'incarne profondément. Vous voyez tout le travail d'enracinement. C'est l'enracinement, c'est la terre. J'irais presque cette idée de faire des choses dans le jardin, dans la terre, ça vous guérit. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est comme si vous receviez la sève terrestre. Oui, alors là, j'ai en même temps, moi, je prends un petit peu de temps, mais j'ai développé en parallèle du Tai Chi Chuan, j'ai développé des mini-concerts de gong, de bol chantant et de tambour chamanique. Et donc, bon, j'ai eu la chance de demander un tambour et que le tambour vienne à moi, un vrai tambour chamanique himalayen, hein, c'est cette chance-là. Et donc, effectivement. Hier Oui. soir, par exemple, j'ai donné un concert et je sens bien cette Ouais. vibration de la terre, cette Moi, profondeur. j'entends le chant de la terre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'entends le chant de la terre, si. Et donc, ce que vous rajoutez est très intéressant. Cette communication avec le tambour fait que. Voilà, et cette terre, je vais dire la terre mère, je veux dire Gaïa, elle vient vous apporter et elle vient aussi compléter le travail que vous faites dans cette
dans ce travail de guérison pour les autres et d'auto-guérison. Voilà, mais il y a déjà, je pense que du point de vue chamanique, il y a déjà des choses quand même qui sont déjà, qui viennent certainement aussi d'avant. D'accord. Bon, Donc merci beaucoup. c'est vraiment un thème. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas l'heure. Enfin, c'est dommage, oui. Si je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, enfin, ces derniers temps, dans ma pratique des arts de combat interne, j'ai ressenti ce qu'on appelle, que certains maîtres ont appelé l'énergie du chi de la terre. Oui. Et cette énergie de pesanteur, le corps Oui. sur la terre et la pesanteur qui remonte. En ce moment, je suis en ce début d'année, nous travaillons sur cette énergie-là. Voilà. Et je Alors, trouve. il y a deux énergies. Il y a l'énergie céleste qui est l'énergie du ciel qui descend par notre tête et qui descend comme ça. Et puis, il y a l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie électromagnétique de la Terre qui est remontée. Donc, vous, tout votre. Tout ce qui va vous aider à grandir, c'est toute l'énergie qui vient de la Terre et qui va remonter. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que, soit d'un point de vue de l'inconscient collectif, mais il y a des choses avec les Indiens, quoi, avec les Indiens. Oui, alors si j'ose Indiens d'Amérique. si j'ose dire un peu plus, Oui. quand je joue du tambour chamanique, quand je le joue en privé avec une amie au téléphone ou un autre ami au téléphone, Oui. j'ai des chants qui sortent, évidemment. Oui. J'ai cet Indien qui sort. Oui, voilà, c'est ça. J'ai une C'est ça. connotation aussi d'un Africain. J'ai Après, un. il y a plusieurs guides, mais il y a Oui. vraiment quelque chose aussi de relier la terre des Indiens. Et quand on en parle, ça résonne ici au niveau du cœur. Je ne sais pas si vous sentez, mais Oui, ça. Et au effectivement. niveau ici du chakra du cœur, c'est-à-dire quand, parce que j'ai vu une image d'un de quelqu'un, donc vous retrouvez en guérissant, évidemment, quand on a des épreuves, en travaillant sur ces épreuves, ben on va se renforcer. Et puis, il y a une puissance. Je pense que votre puissance, puisque vous me posez la question, je pense que votre puissance, elle peut beaucoup augmenter encore. Et Merci. beaucoup. Non, non, mais c'est sincère, c'est vrai. Et il y a quelque chose à trouver au niveau du ventre aussi, parce que le ventre est un peu. Alors, je me permettrai de poser une question au regard des échanges que vous avez eus tous les deux. Serge, c'est puisque tu parlais de ton. T'as commencé en arrivant à exprimer le fait que le travail que tu faisais n'était plus pour toi. Et en même temps, tu as déjà préparé le terrain, si je puis dire, pour. Voilà, tout est là pour t'appeler à incarner on va dire cet enseignant en lien avec les arts martiaux internes, la nature, les chants. Donc, en fait, t'attends quoi? Sais pas. Oui, c'est oui, oui. Le grand saut, il faut franchir le... Faut qu'il y ait un saut Oui. permet. Voilà, Non, c'est. il a déjà. On peut dire qu'il a déjà Bah oui. franchi. Il a déjà une dizaine Ah oui, non mais d'étapes je. Ah mais c'est bien ce assez que. Mais c'est pour remarquables. ça. Mais non mais je. C'est en lien avec ce qu'il disait tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai envie, je sais que mon boulot, c'est plus ça, j'ai envie de changer. Et puis en fait, depuis tout à l'heure, il nous déballe tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il attend? Attention, alors attention aussi à voir qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de lâcher tout comme ça, hein, et qu'il y a aussi des temps, il y a aussi des cycles. Donc là, il fait déjà très, je dirais, comme il faut. Après, il faudrait qu'il augmente un peu, qu'il propose un autre groupe, etc. Parce qu'avec le complexe d'abandon, le problème d'abandon, c'est qu'on a besoin de trouver suffisamment de Sécurité. solidité. Ouais. Voilà, Oui, c'est ça. exactement. De sécurité. Et donc, c'est bien parce qu'il va progressivement et il vaut mieux faire comme ça progressivement Oui, non mais plutôt c'est qu'en le pyramide. progressivement, j'ai rien contre, bien au contraire. Non, là super. Mais c'est qu'à un moment donné, le grand écart, il devient inconfortable. C'est ça que je veux dire. Et moi, de ce que j'entends du fait que Serge vienne ce soir
amené ça, c'est que je commence à sentir le l'inconfort. Oui, c'est ça. Donc s'il y a C'est un ça. confort, c'est qu'il y a un choix à Après, faire. oui, il y a un choix. il y a des cycles aussi. Là, on ne peut pas répondre pour Oui, les cycles là, ça parce c'est que Patrick, c'était spécialiste là-dedans, mais bon, après. je peux pas donner. Mais en tout cas, de continuer et d'ouvrir sur d'autres. Moi, je conseillerais d'ouvrir sur d'autres choses ou de proposer un autre cours, un deuxième, etc. Manière que se sentant suffisamment confiant et entraîné, ça puisse s'ouvrir. Et comme je dis, il y a aussi des cycles. Alors on peut regarder. Bah, je suis d'accord, mais en même temps, un autre groupe implique que ça, il lui consacre d'autant plus de temps. Donc, Oui, s'il alors de toute y a façon. le boulot, entre guillemets, conventionnel qui est là, bah, faut trouver le temps et l'espace pour avoir à élargir son emploi du temps dans les arts martiaux, etc. C'est toujours pareil, c'est une question de temps, c'est comment on divise son temps. Donc, mais je suis d'accord sur la notion des cycles, hein. Là, actuellement, en numérologie 2022, il est en année 8. Donc, l'année 8, c'est une bonne année pour Oui, concrétiser les tout à choses. fait. Là, il est en année 8 Ouais. jusqu'en 2023. Donc, Jusqu'au il faut y aller. 12 août 2023, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, étant Oui. donné Oh, d'accord. une année 8, c'est une bonne année. Et il a tiré l'empereur. Donc, l'empereur lui apporte aussi ça. Donc, c'est plutôt bien de consolider et puis de voir ce qui se passe, quoi. Ouais. D'accord. Bah, écoutez Patrick, je vous recontacterai avec ma date de naissance. Avec plaisir, comme ça, on pourra voir vraiment ce qu'il en est. Mais déjà, c'est déjà très, très prometteur. Hein. Bravo, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Merci. Merci Merci. Laurent, Merci merci beaucoup Serge. Laurent. Merci. Bonne Bonne année. soirée, bon oui, bonne année, Bonne bon année. week-end. À bientôt. Au revoir. Donc je te laisse sortir et puis on a Lydie qui est venue nous rejoindre. Alors Lydie, avant que j'ouvre ton micro, je vais te demander parce que de baisser ton son d'ordinateur ou de mettre un casque parce qu'on entend un retour, c'est assez désagréable. Merci par avance Lydie. Merci. Merci, Serge. Et d'écoute, coupe YouTube parce que là on a le décalé. Lydie, coupe YouTube, s'il te plaît. Alors, Bonsoir Lydie. oui, bonsoir Laurent, bonsoir Patrick. Bonsoir Lydie. Qu'est-ce qui t'amène Alors, là? je suis née le. Oh, j'ai une question. Non, Oh. déjà une sera très bien. Donc, je suis née le 25 mars 1969 à 4h20 du matin. D'accord, et dans quel lieu? À Fort-Calquier, 04. J'entends pas. C'est Oui, il compte. 04. Oui. Oui. Mais là, donc, je vais déjà essayer de trouver. Alors. Donc, c'est sur cet enfant. J'entends pas, Laurent. Mais Le moi je micro. dis rien, je laisse Patrick, il fait ses calculs. Ah, mais je vois la bouche bouger, et donc j'ai dit, j'entends pas. Ah Donc. oui, c'est pas il marmonne, c'est un peu l'érudit, Patrick. Il est là. Il n'y a aucune érudition. Écoute, il n'y a aucune érudition à taper trois mots dans un Non, ordinateur. mais c'est le cliché, Patrick. Je sais. Je sais Ça que fait des tu. années que je le charrie là-dessus. Tu me connais, Ah, ça fait d'accord. longtemps Ah, que ben ouais, je la technologie, c'est quelque chose, hein. Alors, 25. Mais non, c'est pour ça que on fait les données et que après, quand on les a entrées, on va avoir les éléments. 4h20 du matin, voilà. OK. Alors. Alors voilà, moi je suis en pleine reconversion professionnelle et donc du coup j'expérimente beaucoup d'outils, donc j'ai pas mal de formations que j'ai faites
pour me permettre justement dans l'avenir accompagner les personnes et quitte à proposer des soins énergétiques avec plusieurs outils que j'ai maintenant dans ma caisse à outils. Mais mon problème à moi, c'est que j'ai du mal à me lancer. J'ai beaucoup de mal à me lancer. Je prends beaucoup plaisir avec tout ce que j'expérimente. Et d'ailleurs, j'ai toujours envie d'expérimenter. Il y a jamais de fin chez moi, quoi. J'ai soif, voilà, et ben, en fait, j'aimerais savoir ce qui pourrait se bloquer chez moi, justement, qui m'empêche de faire ce fameux pas, ce fameux grand pas, et me dire, voilà, t'es prête, vas-y, commence, quoi. Il faut bien qu'il y ait un commencement. Bon, je sais que je suis une grande perfectionniste. Je suis quelqu'un. voilà, il me faut que je sois sûre de moi et me dire que, bon, voilà, t'es prête et vas-y, quoi. Mais il y a quelque chose qui me dit que je ne suis jamais prête, donc du coup, eh ben, j'enclenche pas la première, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a déjà la première question, c'est est-ce qu'au niveau, quand vous travaillez un petit peu avec les énergies, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous ressentez beaucoup les choses par rapport aux personnes, les captations Oui, au niveau du corps, ouais, je ressens pas mal, corps, oui. peut-être pas comme je devrais ressentir aussi, comme les douleurs, certaines personnes ressentent dans le corps. Bon, moi, je suis le corps qui répond, donc je vais frissonner, un peu de fraîcheur, voilà, c'est comme je ressens, quoi. Bon, j'essaie. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup, je vois par rapport aux autres personnes quand je fais mes formations, les autres personnes qui sont à côté de moi, moi, je sens que chez moi, il faut que je travaille davantage. Ça, je le ressens à chaque fois, hein, je suis un peu à la traîne, quoi. Je me dis, pourquoi il faut, et voilà, quoi. Chez moi, il Voilà, faut que ça bosse, quoi. il y a quelque chose à lâcher parce qu'on a beaucoup de choses qui sont justement par rapport à ce côté précis, ce côté, je vais dire, contrôlant ou même un peu mental, c'est-à-dire qu'il y a la tête d'un côté et de l'autre côté, ce qui est demandé dans ces soins, et justement, c'est très bien d'aller vers le ressenti, vers la captation des choses. Donc, il y a une sorte de dualité. Si vous voulez, j'aurais à travailler sur le fait de lâcher un peu ce qui va être la tête et aller vers quelque chose vraiment de plus fluide. Parce que les soins qui sont les secteurs de là où vous êtes destiné, alors d'abord, ça dit qu'il y a toute une transformation, c'est-à-dire que dans votre chemin de vie, hein, on a le scorpion. Au point de vue du travail. Donc, le scorpion, il amène à des morts-renaissances. Oui, plusieurs fois, vous changez de choses. Vous comprenez? Et oui, c'est ça. Voilà. C'est oui, je passe d'un truc à un autre, à un autre, à un autre. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai soif de connaissances aussi, hein, c'est ma nature, voilà, et surtout quand on aime, quoi, je veux dire, on est passionné par ce qui se présente, quoi, hein. Voilà, mais quand il y a C'est... trop de choses, il y a trop de variabilité. Donc, un premier problème, c'est la tête. Le deuxième problème, c'est la dispersion, hein, d'une partie où on a la lune, les Gémeaux. Donc, on a il y a quelque chose à. Déjà, dans tout ce que vous faites, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de choisir? Parce que sinon, effectivement, en dehors du fait de la difficulté de trouver. Il y a l'idée de un peu de la dispersion. Et donc, il y aurait à travailler un peu là-dessus. Que vous vous intéressez à une chose, et puis après une autre, et puis après vous apprenez une chose. Et donc, ça fait énormément d'informations. Donc, déjà, au niveau. Mais ça reste complémentaire. On est toujours dans le même dans la même énergie. Ça Ouais. reste complémentaire, ce que je veux dire. Et, Complémentaire, mais ça. Qu'il faut, c'est que tout ça vienne un peu se cristalliser. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut être complémentaire, mais après,
qu'est-ce que je choisis? Et donc, même si vous travaillez sur le corps, okay, il y a besoin de faire confiance au ressenti. C'est-à-dire, savoir, c'est l'intuitif, c'est le ressenti. Et oui, et puis j'en ai besoin parce que c'est là où on prend du plaisir aussi, quoi. Je veux dire, ça me plaît et le fait de ressentir d'affiner ses propres perceptions, et c'est là où il y a le plaisir, quoi. Je veux dire, Plus, c'est ça qui est à développer. Donc, il y a cette capacité-là qui peut être là et en germe, mais il y a une partie, c'est-à-dire, je dirais on va dire qu'il y a une partie qui veut et qui a envie d'aller vers cette ouverture, et une partie qui peut avoir plus de. C'est pas nécessairement, justement, les rencontres de l'inconscient, c'est pas nécessairement conscient. Et est-ce que vous avez, autre question, est-ce que vous avez travaillé déjà sur votre corps et sur les blocages des nœuds corporels, de vos propres nœuds corporels, de Oui, tension, etc. Là, ça bloque. ouais, j'ai fait de l'hypnose régressive. Mais est-ce qu'on vous J'ai a appuyé sur le corps? C'est ça la question. Est-ce qu'on m'a vous a appuyé sur le appuyé sur le corps. corps? C'est le travail sur le corporel. Que l'hypnose, c'est une chose. Mais le travail sur le corps, vous avez quand même une cuirasse quand même. Ben non, travailler en non. Ben oui, c'est ça qui est. C'est-à-dire que vous, le blocage, il est dans le corps, il est dans le Mais corps, quand vous mais dites travailler dans le corps, c'est que c'est-à-dire qu'on peut travailler par exemple avec des techniques sur les points du corps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, vous retenez beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une envie, que les choses sont beaucoup retenues, et que travailler sur l'hypnose, c'est très très bien, c'est une bonne chose. Et que si vous voulez, plus quelque chose de. On appelle un peu le psychocorporel, c'est-à-dire appuyer sur les. Parce qu'il y a des résistances corporelles, on va dire des mémoires, etc. Et donc, pour que le contrôle lâche plus, et à ce moment-là, vous serez amené d'abord vous à ressentir l'énergie. Et en ressentant l'énergie en vous, vous allez être capable plus de la ressentir pour les autres. D'accord. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a l'idée de travailler, on va dire, sur cette structure, mais le programme de vie, c'est un programme qui a besoin d'aller vers le sentir, vers les sentir les émotions, aider à drainer les émotions des gens. Même pour ça, c'est comme si en vous, il y a une. Moi, je ressens beaucoup le troisième chakra, quoi. Le troisième chakra, c'est le. Plexus. Voilà, le plexus, si vous voulez. Donc, il y a le travail, on peut travailler à distance. Mais quand on travaille aussi sur le corps, si vous voulez, c'est pas que du massage, ça dégage de quelque chose. Parce que si qu'on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de contrôle. C'est comme s'il y a la possibilité de voir, la possibilité de sentir, mais qu'on est. Question un peu comme ça, est-ce que ça vous est arrivé de sentir, je ne sais pas, des choses de l'autre côté, ou des personnes qui sont de l'autre côté, ou des personnes. Oui, Vous voyez, ouais. vous avez ça. Ça, j'ai ressenti, mais comme je vous dis, c'est ouais, voilà, c'est des frissons, la chair de poule, ça me prend tout le corps, de haut en bas, ou des fois c'est que les jambes, ou des fois c'est que. Et en pensant à un défunt, par exemple, en Voilà, parlant. parce qu'il y a comme quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est un guide ou si c'est un défunt qui est à côté, mais qui voudrait comme une communication. Ce monde-là, ce monde parallèle est là. Moi, c'est ce que je conseillerais. Vraiment un travail qui associe pour aussi pour libérer qui peut en corps et énergie. Oui. On appelle ça comment?
pour travailler directement sur le Pas corps? vraiment, non, c'est un travail, c'est un protocole où on associe le travail sur les points du corps et De l'acupuncture, quoi, c'est ça. plusieurs techniques que je vais utiliser. Mais bon, l'idée, si vous voulez, c'est comme c'est l'idée, c'est comme s'il y a une résistance, c'est que et cette résistance, elle est à. Est-ce que vous avez l'impression que vous contrôlez les choses, en fait? Vous avez une certaine manière. Oui, oui. Oui, j'aime bien mener la barque, oui. Donc ça, mais déjà, c'est très bien. C'est bien de le Il voir faut déjà, du super. discernement, hein, il faut du Ouais. discernement. Mais en Ah même ben temps, oui. c'est comme si on dit, ben, lâche, lâche, lâche. D'accord. Laisse aller. Et donc, ça aurait besoin d'un petit coup de pouce corporel. Mais déjà, vous avez quelque chose, c'est un peu à 50%. Il faudrait que ça bascule plus. Et bon. Merci, merci Laurent, hein, la tête, elle dit oui, C'est ce qu'il me dit, Laurent. C'est ce qu'il me il dit. valide. Voilà. Et en fait, je travaillerai, moi, en tout cas, avec un travail où on appuie sur le plexus, où on appuie sur les pieds, ou que quelque chose sorte un peu de vous. Et à partir de là, on aurait une fluidité et il y aurait moins de questions, moins de questionnements, et les choses se feraient plus. Parce qu'on a d'un côté le détail, le mental, l'analytique, et de notre côté, on a justement l'intuitif et on doit quelque part lâcher l'un pour aller vers l'autre, mais voilà, c'est ça qui bloque. C'est ça qui D'accord, bloque. Voilà. Et D'accord. bon, ça se travaille, ça se travaille. Ben voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Voilà. Après, on peut en parler et vous expliquer un peu plus si vous voulez. Voilà, si vous en avez envie. Mais en Oui, tout cas, merci beaucoup de votre appel. Et puis, ben merci à vous deux. Merci, Lydie. Je question suis beaucoup intéressante. Laurent aussi. Merci, Question intéressante merci. parce qu'elle nous parle du travail sur le corps. Et dans le spirituel, on parle beaucoup de choses. On parle du channeling, on parle des guides, on parle de tout ça. Mais on ne parle pas justement suffisamment de. Oui, parce que moi, travailler avec le corps, je pense au tai chi ou au... Mais non, c'est Ça, ce sont des Ouais, techniques, mais il y a mais des qui font. techniques thérapeutiques qui libèrent des blocages dans le corps. Ça, c'est autre chose. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. D'accord. Et C'est pour ça que oui. Après, j'ai compris, oui. voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, Bonne soirée, Lydie. allez, bonne soirée. Merci à vous deux. Bonne Voilà. soirée, bonne année. Merci, toi aussi, bon week-end. Au revoir. Oui, merci, pareillement. Au revoir. Alors, mon cher Patrick, en attendant que vous puissiez, chers internautes, venir nous rejoindre, Patrick et moi, dans le salon en question, ce n'est pas le salon des rencontres, qui peut-être a un dysfonctionnement, je ne sais pas, en tout cas, on n'arrivait pas à entendre, je vous passe les détails. Bref, nous sommes dans le salon Vocal Modo. Vous double-cliquez sur le salon Vocal Modo où il y a Laurent et Patrick, hein, c'est nous, on est là pour vous, de façon à ce que vous puissiez poser vos questions auprès de Patrick pour qu'il y réponde. Des questions d'ordre personnel ou des questions générales sur peut-être la spiritualité, la connaissance de soi, ça peut être aussi des questions qui touchent le collectif. Bref, c'est vous qui voyez, vous êtes les bienvenus. Et si c'est des questions d'ordre personnel, comme les internautes qui sont passés et que vous avez pu entendre, bah là aussi, l'interaction entre Patrick et vous est intéressante pour aller un peu plus en profondeur et valider certaines choses. En attendant vos interventions, alors je suis sur le chat excusez-moi. Oui. Non, le chat de YouTube. Alors je mets une petite lunette. Oui, il peut y avoir des questions Oui, aussi. il y en a, il y en a, il y en a, mais je Ah. regardais parce que il y a beaucoup de commentaires aussi. Alors, question.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, que vous voulez les poser sur le chat, vous mettez trois points d'interrogation. Comme ça, moi, je les vois de suite. Alors là, une question de Dessor et Naïch. Bonsoir à vous, 2022 très dense. Opération de deux anévrismes cérébraux avec post-opération. Gratitude de m'en être sorti. Ben oui, tu peux. Je me demande ce que j'ai à apprendre de cette épreuve de vie. Je suis né le 14-9-81 à 0h45. Merci Essor, mais on n'a pas ni ton nom ou ton prénom, du moins. Donc on ne sait pas si tu es un homme ou une femme, ce qui pourrait être quand même intéressant. Ni la Pardon? ville. Ben, Je suis ni la il n'y a pas de ville. ville non plus. Donc voilà. Ouais. Donc Donc. ben, moi j'aime bien faire appel au bon sens hein, de ces petites phrases hein, qui nous parlent régulièrement. Hein, on va pas te faire des nœuds au cerveau. Bon, ben, quand on a deux anévrismes, apparemment les nœuds au cerveau, il y en a qui se les font, quoi. Donc à moi Alors, réfléchir peut-être. il peut y avoir aussi, bon, on n'a pas les éléments, mais peut-être une certaine névrite, c'est quelque chose qui explose. Ça veut dire qu'on peut avoir, bon, ça arrive quand il y a parfois aussi un cancer du cerveau, bon, que le mental soit très actif ou qu'il y ait beaucoup de choses au niveau de la tête, comme tu dis, le cerveau soit en surcharge, bon, en dehors. Physiologique. Donc souvent des gens qui réfléchissent beaucoup, des gens qui ont beaucoup de pression dans la tête et à un moment donné, bon, après il faut voir au cas par cas, c'est un peu délicat, mais voilà, quelque chose d'explose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tellement contenu, quelque chose qui n'est pas exprimé, qui vient se localiser là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le actuel, on a subi beaucoup de pression, que ce soit des pressions mondiales, que ce soit des pressions émotionnelles, soit des pressions dans le travail aussi. Et donc on est beaucoup sollicité. Et c'est pour ça que l'utilité d'un travail, ou même l'utilité même d'un temps de méditation, d'un temps de centrage, de s'extirper un peu de là, va permettre à notre être profond, d'aller en dessous et nourrir, s'exprime dans le silence. Donc on est aussi dans un monde où il n'y a pas de silence. On regarde les transports, quand on regarde l'utilisation des portables, C'est la quand on pollution la plus regarde grande. la cérébrale où la tête est tout le temps branchée sur des informations, et bien évidemment, il n'y a plus de place. Et donc l'être intérieur donne l'information qu'il y a une saturation. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que y a aussi beaucoup d'individualisation. Je ne sais pas si tu as vu la photo qui est assez forte sur du 31 décembre sur les Champs-Élysées, où tu avais, je crois, 1 million de un million personnes de personnes. en Et train de donc la filmer. photo est très intéressante, c'est que tu as 1 million de personnes avec le feu d'artifice, et tout le monde est comme ça avec son téléphone et regarde le feu. Ah, c'est beau, etc. Mais Au parle pas travers de la son. petite lucarne. Ouais, c'est terrible. Mais parle pas ou n'embrasse pas son voisin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui déjà interroge. Lobotomisé. Voilà, l'homme robot, mais ça fait partie de quelque part de l'ère des Verseaux, hein, dans laquelle on rentre, parce que l'ère du Verseau, c'est une ère aussi très très technologique. Donc on va aller de plus en plus vers des choses technologiques. Hein, et donc on regarde ça, on regarde les informations. Et donc à un moment donné, la tête peut être saturée d'informations. Et on n'est plus dans le sentir, dans l'accueil. Que disait l'intervenante, c'est-à-dire de pouvoir être accueilli déjà et de pouvoir être écouté. C'est déjà quelque chose que tu nous permets. Par ta belle chaîne média, être accueilli et être écouté, voilà, sur des sujets comme ça, c'est déjà énorme. Alors on a Auralou avec nous. Auralou, bonsoir et bonne année.
Oui, le micro, le Ouais, le monter. micro, faut que tu le décoches, Oralou. Et je peux pas le faire à ta place. Est-ce qu'elle peut poser sa question par le chat? Mais je ne sais pas. Si elle est là, c'est que autant se servir de la parole, pour le coup. Ben ça, c'est toujours plus plaisir de changer ces Alors, si trucs. tu n'y arrives pas, Oralou, je sais pas s'il y a un souci, un problème, essaye d'aller voir dans Vocal du Vivant avec Lokis et Karine, voir s'il y a un problème. Essaye de le résoudre là-bas, parce que moi, je ne peux pas t'aider là. La seule chose que je peux te dire, c'est n'écoute pas le son de YouTube, mais le son du direct de Discord. Ça sera mieux pour entendre ce que je suis en train de te dire. Vous m'entendez? Ça y est! Bon, j'ai été quand même assez rapide. Je suis contente de moi parce que alors j'y connais absolument rien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Merci Merci beaucoup, Walou. pour ce passage dont je m'attendais pas du tout. Et donc c'est très bien. Alors, je suis née le 7 octobre 1966 à 3h15. Et je... Et dans Comment quelle dire? ville? Et dans Ah quelle oui, ville? dans la Loire, à Saint-Étienne, précisément. Saint-Étienne, oui. Saint-Étienne, c'est 42, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Alors, on va. Alors, Oralou, c'est un prénom ou c'est un prénom? C'est un pseudo. Il faut que je donne D'accord. mon prénom? Non, non, mais. Non, non, mais ça va. Oh, pourquoi pas, quand on peut le noter. Oui, pourquoi pas. Alors, c'est Louisa, Louisa. D'accord, ok. Et puis, donc, Saint-Étienne, Saint-Étienne. Voilà, donc Saint-Étienne. Et il y en a beaucoup des Saint-Étienne en France. Ouais, faut pas croire, hein. Il y en a beaucoup. Alors, Alors, c'est c'est. Louisa, Louisa. Alors Thierry, coupe ton micro pour le coup. Bon, je te coupe, hein, mais m'en veux pas, je te rouvrirai tout à l'heure, hein, parce que quand on entend les Larsen, c'est Alors, pas sympa. 7 octobre 1961, ok. Alors. Ah oui, pardon. Ok. Alors, quelle serait votre demande? En quoi puis-je vous aider? Alors, j'ai eu le diagnostic d'une pathologie incurable. Je n'ai aucun traitement médicamenteux. Je m'écoute beaucoup, j'écoute mon corps. J'essaie de suivre sa guidance. Et j'ai là, disons, un problème du coup métabolique et notamment sur le plan digestif. Et je voudrais savoir pour le coup si je vais réussir enfin à mener une vie qui me correspond. Alors déjà, vous dites que vous avez une pathologie, mais vous avez eu un diagnostic médical par rapport à Oui, ça. oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui nous a demandé de prendre un traitement, c'est ça? Oui, sauf que mon corps l'a pas du tout accepté. Ok. Donc l'idée, ça serait d'essayer de voir. Alors, c'est quel type, ça touche quoi au niveau du corps? La plèvre D'accord. et Donc la puis plèvre. et le système digestif. Ok. Alors, moi, ce que j'ai comme information, si vous voulez, c'est qu'il y a comme quelque chose qui aurait besoin de sortir, en fait, ou de s'exprimer, ou de rayonner, si vous voulez. Bah oui, bah c'est une activité professionnelle que je n'arrive pas
à mettre. Enfin, je ne me suis pas écoutée. Aujourd'hui, je m'écoute. Donc, je développe toutes mes capacités. Et du coup, j'ai le feu. Et j'ai Alors, vous avez vraiment prononcé le mot, besoin de c'est-à-dire l'exprimer, d'exprimer. vous avez un excès de feu qui est à l'intérieur, Oui, au c'est ça. niveau du troisième, quatrième chakra. C'est-à-dire que il y a une grande puissance. On va dire qu'il y a vraiment C'est une ça. puissance, C'est une ça. force, un potentiel, et que si ça touche quelque chose lié à l'inflammation, c'est-à-dire C'est il y a ça. quelque chose qui, voilà, vous voyez, la plèvre, c'est de C'est ça, mais l'inflammation. tout à fait, ça Voilà. résonne, ça Voilà. résonne, oui. Que vous avez à utiliser tout ce feu Oui. qui n'a pas été utilisé, on va dire, dans d'autres. Alors, déjà dans cette vie, mais avant. Oui, Et ben, c'est pour ça que je m'y autorise là maintenant, mais c'est pas encore là, quoi. J'arrive pas à... Alors, j'interviens sur le chat de Laurent parce que du coup, je peux utiliser ce que je sais faire. Et du coup, j'ai tellement ce feu que je me permets d'aider des gens, voilà, de dire ce qui vient. Mais il faudrait que je puisse le faire tout le temps, quoi. C'est parce voilà. que j'ai ce feu qui est là. Le problème, si c'est qu'il est bloqué hein, pour des bonnes raisons. Oui. Mais donc, si vous voulez, oui, il y a le côté leader hein, qui apparaît très nettement dans cet Le acte. côté, pardon, le côté Leader. Le côté leader, leader. le côté Oui, leader, ok, d'accord. prendre le lead, si Oui, vous tout à voulez, fait, oui. avec cette puissance. Mais Oui. si vous voulez, cette puissance, elle brûle, donc elle enflamme, c'est-à-dire ça s'enflamme du dedans. C'est ça. Donc en fin de compte, vous êtes un cas où, en fait, il faut libérer le feu Et qui comment je peux faire ça? Ah ben ça, c'est un protocole personnalisé. Il faut que je réfléchisse à la question. Mais s'il vous plaît, on est encore dans le même cas de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on est dans l'énergie. Et en fait, ça veut dire que volontairement, vous avez limité votre puissance, hein, c'est des questions de pouvoir, de choses comme ça, pour Oui, l'utiliser, c'est oui. pour l'utiliser. Pour l'utiliser, vous avez limité parce que c'est très 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 puissant. Donc après, si c'est un travail de libération des engrammes, c'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de la cage thoracique, si vous voulez, qu'on a ici ces zones de blocage. Donc il y a la compréhension. Donc la compréhension, c'est que ça brûle et que. Et après, il y a la compréhension, il y a l'utilisation de certaines techniques de manière à faire sortir, que ce soit plus évident. C'est qu'on va dire que c'est évident, mais qu'en même temps, c'est comme si ça criait à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça crie. Ça dit j'en ai assez, j'ai envie de sortir, quoi. Vous voyez? En gros, c'est ça. C'est ça, tout à fait, oui, Mais tout à ça. fait. C'est en même temps un travail énergétique, en même temps un travail un peu dans le psychique aussi, parce que c'est vrai que c'est ce qui est demandé, c'est-à-dire Mais dans cette vie, dans cet existant, dans cette oui. incarnation, Bah, vous du coup, moi, j'en ai pris conscience dans cette incarnation, donc c'est OK pour moi. Mais comme vous dites bien, c'était des engrammes et je voudrais les faire sauter, ces engrammes, parce que c'est bon, quoi, ça suffit. Mais là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faut étudier un protocole. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je peux vous contacter en privé, parce que voilà, moi, je suis prête, On peut hein, en parler et voir. Parce que si vous voulez, ça dépend de la structure. Mais à ce moment-là, on peut essayer de voir ensemble quel type, si vous voulez, de travail. Parce que protocole. ça bloque aussi dans la nuque, aussi, vous voyez, derrière, au niveau de la Oui, nuque. tout à fait, tout à Oui, fait, oui. Oui, tout à fait. il y a un point de tension dans la nuque. C'est Et ça, si vous êtes ouais. déchiré, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose à déchirer. Enfin, c'est un peu violent ce que je dis, mais en même Oh temps, oui. on peut le faire Bah aussi. oui, mais en même temps, j'ai cumulé ça pendant tellement de vies qu'aujourd'hui, bah Voilà. forcément, Vous avez compris. forcément, ça demande à sortir, mais voilà. Du Enregistré coup, depuis bah, j'ai trop besoin longtemps. d'aide.
voilà, et que auparavant on était plus dans il y a les autres, je ne peux pas trop prendre ma place, et puis comme ça. Oui, ça c'est du passé. Maintenant, je n'ai que faire de la place des autres. Moi, je veux prendre ma place. Enfin, voilà, je suis prête pour ça, quoi. Voilà, donc il faut Mais qu'il y il ait un faut que je fasse travail sauter les en engrammes. le... Si vous voulez qu'il y ait un travail, bon, pourrait dire comme ça avec le son, qu'il y ait un travail sur la respiration pour dégager ce qui est collé, Oui, qui est je le ferai. enflammé et collé, Oui. qui est au niveau du ventre, ce qui n'a pas été digéré. Et à ce Oui. moment-là, l'énergie pour descendre aussi dans les cuisses, dans les jambes. Oui. Voilà. Oui, Mais parce que je bon. sens l'énergie hein, qui demande à passer. Hein. Vraiment, je le sens et ça veut vraiment sortir en force, mais ça pousse et je sens que c'est coincé, quoi. Et à Donc, ce moment-là, je sens que... si ça se Oui. libère, c'est pas au niveau intérieur, c'est au niveau de. On va dire que si vous avez différents corps, vous avez le corps éthérique, vous avez le corps C'est astral, ça. surtout le corps C'est astral. ça. Et dans votre corps astral, si vous voulez, il y a comme une envie de mettre un bâton de dynamite, quoi. Ouais, C'est un peu ça. ouais, Mais ouais. en plus, vous avez. Bon, c'est bien quand vous travaillez avec les gens, vous apportez Bah, beaucoup de bonnes. je le fais parce que c'est là et que il faut que ça soit dit. Je le dépose quand j'ai la faute, oui. Aussi des gens qui viennent, vous voyez, qui viennent vous dire c'est ça, et en fait tout ça c'est pour vous pousser à trouver. Bon, c'est pas toujours évident, comme j'expliquais à l'autre personne, de trouver la technique, mais ce sont des travaux, des types de travail où on travaille sur les engrammes. Voilà, donc c'est un travail qui touche à l'énergie, qui touche à la respiration, qui touche au souffle. Oui. Et déjà en libérant ça, voilà. Mais il faut toujours regarder évidemment le premier plan, le plan physiologique. Mais il y a aussi, à mon avis, c'est ce que je ressens, c'est qu'à mon avis, il y a une énorme colère quoi, qui va sortir, quoi. Il y a un paquet de colère Oui, là. parce que j'ai l'impression d'avoir, comment dire, de sortir d'une hypnose, d'un long sommeil. Voilà. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, ben oui, ça m'a mis en colère, quoi, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, mais où j'étais pendant tout ce temps? Et c'est très bien Et parce que ça vous met en colère, ça vous pointe. oui. Justement, ça veut Ouais. dire il faut que je trouve, il faut que je trouve. Et regardez, tout à l'heure, c'était pas évident de rentrer, hein, le micro, tout ça. Et puis Oui. vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important. Vous avez dit, j'y suis arrivé. Tout à l'heure, vous avez dit, j'y suis arrivé. Donc, ça veut dire que vous avez aussi en vous, et c'est Oui. pas, c'est intéressant, il y a une force, il y a une détermination. Ah oui, Vous je suis avez déterminée, c'est quelque sûr. chose qui a. C'est clair que je suis déterminée. Oui. La force. Mais comment dire, la colère, j'en ai, enfin, comment dire, je l'ai stockée, mais j'en ai plus là. J'ai pas de colère. Hein. C'est au moment où ça s'est passé, j'ai eu de la colère. Maintenant, ça y est. Mais la colère, peut-être qu'elle s'est pas complètement évacuée et d'où le feu. C'est dedans parce qu'en fin de compte, si vous voulez, comme il y a beaucoup de feu, il faut un peu libérer ces troisième chakras, c'est le plexus, c'est le centre de Mars. Vous avez un Mars qui est puissant, c'est-à-dire vous avez un côté trop, c'est trop puissant. Donc il faut que ce feu, il arrive à être un feu plus doux pour Tempéré. qu'il se complète. Voilà, pardon. Tempéré. Voilà, un feu tempéré. Et à ce moment-là, avec ce feu, vous allez utiliser ce feu pour soigner, pour guérir, pour apaiser. Mmh. Mais il y a Ben, je quand le même. fais déjà pour moi, mais voilà, ça m'aide, hein, ça quand même, hein, je peux le dire, hein, au quotidien, je le fais pour moi. Voilà, déjà, Mais tempérer, j'ai mais besoin d'aide, en demandez-le. fait, parce que je sens qu'il me manque des clés. Ah ben Et que oui. du coup, ben voilà, d'avoir une aide complémentaire, ça m'aiderait pour compléter ce que je peux faire moi, toute Ouais, seule. parce qu'on peut faire seul, mais vous ne pouvez pas réellement Ouais. voir exactement où c'est coincé. Quand je dis c'est vraiment coincé, ou quand je dis bah tiens, il y a un blocage là, Oui, c'est que oui, je le oui. vois ou je le ressens, et qu'à Oui. partir de là, d'une manière souvent très, très générale, les gens ben, ils savent pas parce que c'est pas leur domaine, et il faut aller voir dedans, quoi. Et j'aurais une question importante en lien avec ça aussi.
D'une part, déjà, c'est de prendre contact avec vous en privé pour voir ce qui est possible de faire. Et secondo, mais ce serait ma dernière question, c'est de savoir si le fait de changer de lieu de vie, parce que j'ai un appel et que ça ne se fait pas non plus, mais je le ressens très fort, que je ne suis plus dans mon élément là où je vis, quoi. Et qu'il faudrait que je parte côté océan Atlantique, France ou étranger. Je ne sais pas trop encore, mais j'ai cet appel, mais pourtant les choses ne s'organisent pas. Alors J'ai ça, besoin de... ça dépend aussi des cycles, c'est-à-dire vous avez ce que vous avez à travailler, et puis vous avez ce qu'on appelle des révolutions solaires, c'est-à-dire vous pouvez plus Oui. regarder si ça Mais dans mon thème, dans ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez me dire si ça va se faire prochainement ou va. Ça, si je vois... Pardon? on va essayer parce qu'effectivement, c'est une question... Ça fait des années hein, que je cherche à déménager et pour autant, enfin ça fait 5 ans maintenant, et pour autant, rien ne se passe. Parfois, il y a Pardon? des... On peut attendre longtemps, ça dépend des cycles, et puis parfois ça s'ouvre. Ouais, je suis patiente parce que je vois bien que je me dis que les synchronicités, enfin les choses ne sont pas encore tout à fait en place pour que je puisse, pour que ça puisse se faire de manière... cet appel se fasse spontanément, quoi. Effectivement, de toute façon, le changement est vers l'intérieur, mais il y a aussi des cycles. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu ce que ça donne. Je vous remercie. En attendant que Patrick réponde, Louisa, je te remercie, j'ai bien reçu les bâtons. Et alors, tu les utilises? Non, mais bah, j'ai pas eu le temps, Ah non. bah alors, ah bah alors, ah Non, bah alors. bah alors, déjà, je te remercie pour les avoir envoyés. Déjà, Ah est-ce bah que. non, mais j'entends bien, mais je te les ai envoyés, c'est pour que tu les utilises, c'est pas pour que ça reste dans un placard. Oui, je m'en doute, Louisa, mais il y a eu les fêtes, et j'ai là, je viens juste reprendre le Non, boulot cette mais ne semaine. trouve pas des excuses, ne te trouve pas des excuses, les fêtes, un bâton, tu le mâchouilles, et ça nettoie, ça purifie, comme je te l'ai dit, quoi. Donc c'est très bien pour toi, en tout cas, c'est une ressource, hein, vraiment. Ah ouais, bah j'écoute, je vais avoir Oh, l'occasion de les si, mâchouiller à si, l'antenne. il faut les mouiller avant, hein. Il faut les tremper dans l'eau. Je les Le laisse tremper, bout tu veux là. dire? Je les laisse tremper Non, 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 ou... non, 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 surtout pas. C'est avant de l'utiliser, 10 minutes avant, pour ramollir un peu. La totalité du Et bâton? après, tu frottes tes gencives, tu mâchouilles, et puis ça va assainir tes glandes salivaires. Mais tu veux dire juste le tremper comme on trempe le bout ou la totalité? Oui, c'est ça. Tu prends un verre, tu mets à fond d'eau, tu le laisses tremper le bout pendant 10 minutes, Ah, quand et même, bien ça va ok. ramollir ton bâton, Ok. l'eau va, le bâton va s'humidifier, tu vas pouvoir le mâchouiller et faire dégorger de sa texture la substance qui va te permettre de purifier tes glandes salivaires. D'accord, merci. Bon, alors si tu peux me permettre d'intervenir dans notre conversation passionnante des bâtons. Ouais. En fait, alors c'est difficile de répondre précisément parce que ça demande beaucoup de. En tout cas, ce qui est indiqué, c'est que cette année, c'est une année de vraiment de transformation personnelle. Hein, cette Oh année, ben oui, oh ben ça je le confirme, hein, de parce que grande ce que je transformation. vis, c'est waouh, C'est ça qu'il y a un oui. besoin de. En tout cas, ce que ça dit, c'est qu'il y a un besoin d'élargissement du lieu, un besoin d'espace. Oui, carrément, ouais. Ouais, donc, en fait, c'est ce qu'on voit là. Donc, ça peut être intéressant, ne Et pas même juste. de créativité, hein. Là, waouh, j'ai tellement d'idées que je ne sais même pas par où commencer. Voilà. Donc, ça peut être intéressant, justement, de voir ce travail de mort-renaissance, de transformation. Après, au niveau de l'espace, c'est sûr qu'on a besoin d'eau, c'est sûr qu'on a besoin d'espace. Donc, ça peut être intéressant de lier les deux, c'est-à-dire que la transformation personnelle. Voilà, peut donner aussi une expansion. Donc en tout cas, cette année, elle est intéressante. Alors après, Il n'y a pas de déménagement prévu cette année pour moi. c'est trop précis comme ça et c'est trop du détail événementiel. Là, je ne pourrais pas répondre, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une ouverture possible et intéressante. Donc, Parce que moi j'ai une réponse, c'est oui, mais je voulais avoir une confirmation par quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, c'est une année simple, donc c'est une année.
en numérologie et une année Oui. d'extension. Donc, on va dire que les feux sont au vert pour ça, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Et vous avez un site internet si je fais une recherche parce que je connais rien à Discord. J'ai essayé de chercher vos coordonnées, j'ai pas vu, mais vous avez un site internet où je peux passer par Laurent. Je peux passer par toi, Laurent, pour avoir les coordonnées de. Mais c'est sur immédiat, tu tapes Patrick Mais Amselem. oui. Ah, et sur immédiat. Oui, Ah sur le bon? site. Bah écoute, lequel site? Le site d'immédiat. Ah, ok. Ok, le site immédiat. Ok, bon, bah alors dans ce cas, je chercherai. Je ne veux pas vous retenir plus. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Merci à Et toi, puis, Louisa. mais merci, merci encore. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée, au revoir. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser que quand c'est des questions comme ça, très événementielles, très techniques, c'est plus compliqué de répondre. C'était que c'était quand même assez ouvert. Donc nous accueillons Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? On t'entend bien. Ah, super. Oui. Je suis désolé pour tout à l'heure pour le micro. Bah, ça arrive, comme on dit. Tu es pardonné. Voilà, surtout avec le téléphone. C'est pas évident quand on branche sur le téléphone directement, on voit pas qu'on est systématiquement avec le micro. Je comprends. Alors. Donc voilà. Alors en ce qui me concerne, déjà bon, je suis né le 4 octobre 1969 à midi. Ça Oui. c'est la première chose. Dans quelle ville? Dans quel Et village? dans la ville de Ganges, dans l'Hérault. Avec un S ou non? Le 30, oui, avec un S, dans le 34. Ok. Et en fait, alors moi, ma venue ici, c'est que, bon, tout à l'heure, il y a eu mon épouse qui est passée sur l'antenne, c'était Lydie. Et puis, du coup, ben, voilà, ça m'a motivé à prendre la parole à mon Oui. tour. Par rapport au fait que peut-être ça s'entend avec ma voix, voilà, je suis toujours autant mal à l'aise. Comment dire? J'ai du mal à m'exprimer, ça s'entend, et j'arrive pas à m'en sortir avec ça. J'aimerais pouvoir arriver à comprendre ce fonctionnement, c'est pas évident. J'ai été commerçant, cuisinier, maintenant je suis coursier de laboratoire. Et puis, comment dire, récemment j'ai été invité à un repas dans un restaurant. Voilà, la soirée s'est passée et autres. Et puis, je constate que je suis toujours effacé, quoi. J'ai toujours du mal à m'exprimer, j'ai toujours du mal D'accord. à prendre part à la conversation. Et ça me pose problème. Alors j'ai un petit problème, je suis technique pour trouver la ville, c'est Gorge, Gorges, c'est ça? Au niveau de la ville, c'est Gange, Gange. Gange, comme le Gange au pluriel. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, j'avais compris Gorge, alors je vais chercher. Non. Je vais chercher Gange. longtemps. Un Ok, parce que c'est juste un problème de on peut trouver la ville. Voilà, ok. Alors, Gange, dans le 34, voilà. 4 octobre 69, midi. Ok, donc la question portait sur la communication, hein, c'est ça, sur La le côté. communication, sachant que je suis en chemin de Vitrois et que c'est justement ben, mon chemin, c'est la communication. C'est ce qui me pose problème. Voilà, alors déjà dans le thème, la communication, c'est Mercure. Donc Mercure est déjà dans la structure profonde, c'est pas juste, c'est quelque chose de très profond qui date de longtemps. Vous voyez, c'est quelque chose avec lequel vous venez.
Est-ce Oui. que par rapport à la communication, vous ressentez de la peur en fait? Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, enfin, en tout cas, en ce qui concerne la communication, c'est vrai que enfin, moi, ça fait un moment que je suis immédiat, ça fait longtemps que je suis Laurent, et c'est vrai que quand je m'exprime, enfin, là, c'est la première fois que j'ose m'exprimer sur Discord, c'est déjà un grand pas pour moi, et habituellement, je ne le fais que par écrit, et c'est vrai que je sais m'exprimer très bien. Écrit et oralement, j'ai beaucoup de mal, ça peut s'entendre. Et c'est vrai que et ça, dans ma vie de tous les jours, c'est mon quotidien, quoi. Et c'est assez pesant. Voilà. Ce que je ressens au niveau, alors il y a la gorge, donc c'est déjà très bien et très courageux d'intervenir en direct, ce qui n'est C'est pas du clair. tout évident. Et puis tu t'exprimes très bien. Enfin, Oui. moi, j'ai aucun problème, hein. Ben, personnellement, Thierry, Voilà. je vois pas où est le problème, Oui. en fait. Moi, je n'entends pas de problème, si tu veux. Le problème, c'est Oui, au c'est niveau du ventre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque en chose apparence. qui est coincé au niveau de, enfin pour moi, au niveau plus du ventre, en fait, et comme si. Il y avait quelque chose un peu à libérer de... Je reviens tout de suite, je vous laisse. Tu es en bonne compagnie, Thierry, Oui. je reviens. Oui, merci. En fait, l'idée, c'est que... Est-ce que depuis petit, c'était toujours un peu comme ça quand vous étiez petit? Oui, Voilà. depuis toujours, depuis tout petit, j'ai toujours été dans mon monde. Voilà. Donc, quelque part, il y a ça qui serait un peu libéré. Est-ce qu'au niveau du ventre, parfois vous avez les intestins qui sont... Absolument. Voilà. C'est-à-dire que tout de suite, énergétiquement, moi, je n'ai pas la gorge. J'ai comme on dit l'expression, c'est la peur au ventre. Oui. Et donc, c'est là que ça se noue. C'est-à-dire que quand quelque chose pourrait si quelque chose pouvait se dénouer là, comme si... Est-ce que vous avez assisté à des choses un peu dans votre enfance qui étaient un peu qui vous ont blessé ou qui vous ont un petit peu violente, comme je dirais, un petit peu violente dans votre... Disons, j'ai rien de particulier. Oui, j'ai déjà vécu certaines choses, mais rien de. Enfin, Alors, il y a des c'est. qui peuvent être plus profondes. Je vous ai pas entendu, excusez-moi. Il y a des choses qui peuvent être plus profondes. Moi, je pense que c'est un peu comme si c'était coupé, en fait, vous êtes un peu coupé en deux parties. Oui. Que entre le haut et le bas, il y a le ventre. Et que va dire qu'il y aurait quelque chose à. C'est-à-dire, vous pouvez travailler sur la parole, la Oui. communication, mais il y a quelque chose plus au niveau comme d'une, comme on va dire, de la peur. En fait, si je prends ma place, Oui. est-ce que je vais être accueilli? Est-ce que je vais être aimé? Est-ce que je vais être reconnu? Et c'est une question. C'est vrai que Laurent, la voix est claire et précise. Mais c'est une question plus liée à la peur. Dépasser un peu la... Parce que vous êtes quand même aussi dans votre thème, quand même un petit peu... Est-ce que vous avez... Parfois, vous êtes un peu angoissé, vous êtes un peu inquiet. Je suis. Ah oui. Ah oui. Voilà. Je suis un angoissé. Oui, c'est de nature, oui. De nature, voilà. Donc ça aussi, c'est un peu comme tout à l'heure on avait parlé des nœuds au cerveau. Ben vous, c'est les nœuds au niveau du ventre, en fait, et ça se noue et ça se crispe. Et en fait, voilà, il y aurait à travailler plus cet aspect-là qui permettrait ensuite de... Vous êtes un peu tendu aussi, un peu crispé au niveau du corps. Oui, tout à fait, oui. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc Et vous êtes un peu rétracté, quoi. Vous êtes un peu rétracté. Et donc oui. l'idée, c'est de
ça serait d'ouvrir un peu de peut-être de faire un petit travail sur le corps aussi, Oui. travail sur la voix aussi, parce qu'il y a des tensions dans la nuque aussi, là. Donc, vous voyez, de décrisper toute cette structure qui au départ, n'a pas été suffisamment encouragée ou n'a pas été suffisamment confortée. Et à ce moment-là, ça créerait plus de détente. Et Oui. puis, la gorge aurait plus, vous voyez, plus de détente parce que vous avez une tension dans la nuque. Dans vos métiers, il y a de la tension, il y a du stress, il y a de la crispation. Oui, disons qu'avant, avant, j'ai été cuisinier pendant, enfin, ça a été toute ma vie, parce que là, j'ai 53 ans. J'ai été cuisinier toute ma vie. C'est vrai que, j'ai toujours été gêné par le stress généré par ce métier-là. Et c'est pour ça que récemment, j'ai changé de vie et que Ouais, pour essayer justement de tout. vous êtes réorienté vers quoi alors, vers quel type de... Aujourd'hui, je suis coursier de laboratoire, donc ça n'a plus rien à voir. Je suis sur la Ouais. route et ça n'a plus rien à voir. Je suis beaucoup plus autonome que ce que je ne Voilà. l'étais. Voilà. Voilà. Donc il y a comme un stress qui s'est... De toutes ces années, il y a comme un stress... Alors c'est très bien d'avoir changé qui s'est en... engrammé et donc est-ce une... Donc essentiellement vous avez été voir des je sais pas des ostéos tout ça qui travaillent un peu sur la tête l'ostéocrânienne ou pas du tout mais... Non, j'ai fait beaucoup de séances au niveau de l'hypnose et sinon je me suis initié moi au niveau du Reiki et Ouais. ce qui fait que bon ben de mon côté j'arrive à m'apaiser, on va dire, de cette manière. Ouais, alors c'est très bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il faudrait là aussi, alors c'est bien, mais il faudrait y aller plus au niveau du sternum, tout ça. Vous avez J'ai non. eu fumé, oui, mais ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. Voilà, parce qu'ici au niveau du sternum, alors il y a le ventre et puis il y a le sternum. Oui. Faudrait un petit peu travailler. Donc la gorge. C'est une chose, Oui. mais c'est surtout plus l'angoisse, l'inquiétude. Vous l'avez dit au niveau du vent. Ventre, vous l'avez dit, parce que c'est vrai que c'est Voilà. un des lieux problématiques, hein, sur le plan Voilà. physique. Alors, c'est ça le ventre. Alors, déjà, il y a la première chose, il y a l'aspect physiologique, de voir qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous pouvez améliorer. C'est une chose. Mais après, on a vraiment l'autre aspect qui est un aspect de d'inquiétude, un aspect d'inquiétude, d'angoisse, de tourment, de nuages un peu noirs qui Oui, bien passent. sûr. Et donc, en travaillant sur ces plans-là, ça pourrait vraiment aider à. Y voir plus clair. Y voir plus clair, surtout à lâcher quelque chose, vous voyez, dans le du corps que toutes ces peurs qui se sont accumulées, tous ces stress qui se sont accumulés, et un petit peu le cerveau aussi qui est un petit peu comprimé. Oui, absolument, oui. Vous voyez, je sens Qui travaille trop, oui. voilà, une compression de mental, de ce qu'on appelle des trains de pensée, de répétition de choses qui ressassent, on a bien Absolument. descendre, et descendre, ce cerveau est un peu en surcharge, et de descendre dans le corps pour lâcher le corps, pour laisser aller, et pour détendre des épaules aussi, vous voyez, pour que ça devienne vivant. Et ça, c'est vrai que vous réfléchissez beaucoup, hein, vous Trop. décortiquez, vous analysez. C'est ça. Ordinateur portable. C'est ça, oui, un ordinateur avec un cœur. Oui. Donc, il faudrait
si vous voulez, presque me décharger un peu. Oui, je Pourtant, comprends. le programme ici, il y a un programme surcharge et on lâche déjà, ça c'est une respiration et des tensions ici dans la tête. Et puis après, donc là, il faut beaucoup, justement la relaxation, la détente, que l'énergie soit ouverte. Il y a beaucoup de ce que je ressens, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de dans la tête. Voilà. Et que le cœur et la tête sont dissociés. Lâche un peu dans la tête. Alors, très souvent, ce que je remarque, quand on vient sur le corps, comment ça va chercher. En fait, il faut tirer sur le ressenti, Oui. sur le ressenti, sur les points du corps aussi. Oui. Mais voilà, si la tête là, justement l'information qui est dans la tête, peut avoir du mal à s'en. C'est très analytique, c'est très dans l'organisation, dans des choses, dans la précision, Oui, tout à fait, oui. dans le détail. Alors le détail est vraiment. Vous êtes toujours là? Moi, je suis là. Oui, on est là. Est-ce qu'il y a une personne en attente? Ah, ah Ouais. voilà. Allô? Allô? C'est Lydie qui est là, qui est en attente. Ah, c'est Lydie qui est revenue. Ah, bah J'ai écoutez. Coco 75, il n'y a pas de. Ah non, c'est pas Lydie, c'est Mais il est où, Coco75. Laurent? Je suis là. Mais Laurent, Non. je ne vois plus. Ouais, mais j'ai coupé Laisse ma discuter, caméra. laisse commande. C'est ça. Je suis Alors, je là. vois qu'il y a Coco, mais bon, Bon, ah, mais super. en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et merci beaucoup. Merci Merci Thierry. Thierry. Au revoir. Allez, hein. Au revoir. Merci. Alors, Coco, tu es là. Coco 75. Coco, on t'entend pas. Allô, allô. Allô, Coco. Allô, Coco? Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, tu Oui, vois. caméra, c'est normal. Micro, c'est pas normal. Parce que là, pour le coup, le micro, il a été enlevé. Coco, des fois, ça arrive. Hein. Je t'invite à sortir du salon. Tu peux aller dans vocal du vivant pour revenir après dans le vocal modo. Ça peut juste le changer, ça peut aider. Elle va revenir. Donc on aura le plaisir d'avoir le monsieur et la dame en fait ce Oui, soir. Lydie et Thierry. Bravo. Ouais, félicitations à tous ceux qui, pour la première fois, viennent nous rejoindre sur Discord. Je sais que c'est pas forcément évident de faire entendre sa voix pour la première fois. Il y a un côté intimiste, peut-être d'avoir à crever la poche d'une certaine timidité, quoi, mais c'est bien, c'est félicitations en tout cas. Alors, je sais pas si Coco va revenir pour le coup. Quoi qu'il en soit, on va pas l'attendre.
Je vais regarder sur le chat. Question du citoyen de seconde zone. Pour toi, Patrick, as-tu déjà connu des cas de surchauffe dans le magnétisme des mains? Personnellement, alors ce qu'on me dit souvent, en tout cas, bon, travail des personnes, c'est que souvent quand je travaille directement ou à distance, il y a une chaleur qui peut se dégager. Donc moi je ne suis pas magnétiseur, attention, je travaille beaucoup avec les énergies subtiles. Alors des cas de surchauffe, oui, j'en ressens chez les personnes. Hein. Par exemple, tout à l'heure, on a eu l'exemple de la personne qui avait un très très grand feu. Donc il peut y avoir une surchauffe, effectivement. Alors, ça dépend, c'est-à-dire que j'imagine que la question, c'est que c'est lui-même peut-être qui ressent ça. Oui, apparemment, il ressent ça depuis, bien vu, Patrick, il ressent ça depuis une quinzaine de jours. Mais ouais, il dit pas autre Alors chose. après, il faut voir exactement le contexte, mais bon, faut voir le thème, il faut voir s'il y a des prédispositions. Mais ça, il y a plusieurs significations. Soit ça veut dire qu'il y a peut-être un potentiel de guérison, soit que l'énergie est trop stockée, parce qu'au niveau des mains, les mains sont reliées par deux circuits de nadis directement au cœur. Donc s'il y a une surchauffe, c'est que soit il y a un trop plein d'énergie, quelque chose est bloqué, soit parfois ça se manifeste aussi, ça peut se manifester par de l'eczéma aussi quand l'énergie n'est pas exprimée, ou éventuellement ça peut être, il peut y avoir un peu de colère, il faut voir, mais en tout cas c'est quelque chose d'expression qui a besoin de sortir, hein, donc. Après, il faut voir quel feu, est-ce que c'est son feu à lui, est-ce qu'il y a un trop plein de feu. Dans le feu, il y a beaucoup de choses. Donc s'il l'utilise et qu'il y a une surchauffe, bien peut-être ça veut dire qu'il a besoin de données, il a diffuser. Hein. Question Donc je ne de. sais pas s'il pratique le magnétisme. Ben, c'est pas spécifié. Question de Ophélie. Comment faire pour ne pas être trop sensible à la réalité de la vie? Alors ça, c'est une question très importante qui arrive souvent avec des patients et des patientes. Donc c'est qu'on a et comme certaines personnes qui appellent ici, une certaine perméabilité, une certaine sensibilité, et que l'aura de la personne, l'aura et la structure de la personne n'est pas assez stable. Ça veut dire qu'on peut être capable de traverser. Par exemple, je pense à une personne qui est très 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 sensible, avec qui je travaille. On travaille sur le fait que si on est trop trop sensible, c'est-à-dire qu'on laisse entrer les énergies. Donc l'idée, c'est de créer un champ vibratoire, une structure vibratoire suffisamment solide. Donc il faut travailler sur soi, ce sens. Si on est trop perméable, c'est qu'on est trop sensible. Et qu'à ce moment-là, on va tout ressentir. Donc, si on ressent tout, ça peut être absolument insupportable. Si je vais dans le métro, je ressens tout. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ressentir, mais que ce ressenti soit extirpé. Et comme le disent certains maîtres spirituels, c'est l'aura, la puissance de l'aura, la puissance de la lumière qui permet de travailler. Ça se travaille très bien, mais il faut travailler. Souvent sur des personnes hautes, sur des personnes sensibles, sur des fragilités. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir insensible, mais ça veut dire qu'il faut être capable de sentir sans être déstabilisé. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est l'importance du corps astral, du corps émotionnel. Si on est trop sensible, ça vibre comme ça. Et donc le but, c'est d'apaiser. Donc, ça demande un travail particulier. Voilà, mais c'est quelque chose qui se travaille en tout cas. Alors nous avons Coco75, alias Nadia. Nadia, bonsoir. Nadia s'en va.
peut-être une prochaine, c'est pas grave. Alors, je regarde à nouveau sur le chat. Coco75, Nadia, t'as pas la peine de mettre ta vidéo, juste le son, le micro, ça suffit. Hein. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, vous Bonsoir. m'entendez? On t'entend. Bon, bah, c'est l'essentiel. Alors, bonsoir Laurent. Bonsoir. Je me Patrick. permets de tutoyer parce que je suis depuis longtemps. Et Patrick, bien entendu, je le découvre ce soir et je suis enchantée. Et je vous présente bien sûr mes meilleurs vœux pour cette Merci. année. Merci. Qui, j'espère, sera meilleur. Je n'y crois pas trop, mais à tes souhaits. Merci. Et voilà. Moi, je voulais quand même dire juste une petite phrase d'introduction. C'est que l'obligation de subir le droit de savoir. Alors, grâce à toi, Laurent, on a des faits, grâce à ta revue de presse, et j'espère, grâce à Patrick, d'un niveau un peu plus spirituel, je saurai aussi, parce que j'ai l'impression de subir un peu ma vie. Alors, je suis pas victime, hein, on est tous à la fois victime, sauveur, et je sais pas. Bourreau. Puis un troisième, Bourreau. le triangle, voilà. Bourreau, voilà, c'est ça. Et voilà, et pour moi, tout est bloqué depuis quelques années. À tous les niveaux, j'avais un super poste, une multinationale que je suis bien contente aujourd'hui d'avoir quittée parce que ça ne rentre plus dans mes valeurs. Je suis née le 20 janvier 1978 à 9h30. Oui, à quel endroit? Je suis née dans la Sarthe, à Saint-James-sur-Sarthe. Saint-James. Sans S, mais oui, c'est Saint-Jean, ça. pardon. Pour Saint-James. Saint-James sans S. Ça. Donc ça doit Sarthe. être un village. Oui, tout à fait. Ok. Mes parents ont atterri là un peu par hasard. D'accord. J'ai d'origine tunisienne, mais je suis née là-bas. Enfin, dans la Sarthe, je suis en Quel département la Sarthe? 72. 72, d'accord, ok. Ça, c'est pour l'information. Ah, on va regarder. Alors ta question, ça serait quoi? Ah, en fait, niveau professionnel, je ne travaille pas. Je n'arrive pas à trouver de travail. Bon, dans la Sarthe, ce n'est pas facile, mais je suis mobile. Malgré ça, ça bloque. Sentimentalement, ça bloque. Pardon, tu as trouvé la vie. C'est ça. C'est Pardon? comment? La vie, ça s'écrit comment là? Parce que je ne la trouve pas. Sainte. Ah, c'est S-A. Sainte. Ah oui, d'accord. Sainte. Ah oui, Plus d'accord. loin, je... Ah oui, d'accord. Sainte. Ah oui, Saint-James avec deux Saint-James sur Sarthe. Ah oui, ça y est, d'accord. Parce que j'ai écrit avec un seul M, il y en a deux. J-A-2-M-E C'est ça. sur Sainte. Parce qu'effectivement. Alors, on va regarder ce qu'il en est.
Donc, je réitère alors ta question. Donc, tu disais que professionnellement, sentimentalement, donc tout était bloqué alors. Au niveau de la santé, ça se détériore. Et puis, cette ambiance-là, anxiogène, m'empêche même de sortir. J'ai l'impression d'être agressée par les gens. Alors. Oui, alors déjà, il y a une grande. Sociable, très. Enfin, je veux dire, je pensais avoir une vie normale, mais finalement, je réfléchis beaucoup à ce concept de normalité. Parce que si être normal, c'est aller bosser et payer son loyer, et, faire son ménage et faire les courses, ça me convient pas. Et Alors, il y a peut-être puis. un élément qui fait partie aussi, vous avez parlé de spiritualité, mais ces éléments-là du quotidien, ça fait partie aussi de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a l'équilibre entre la partie incarnée et évidemment, il y a ces choses-là qui sont des choses du quotidien. Mais dans la structure que j'observe, effectivement, il y a une structure qui est vraiment très 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 déjà très 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 sensible, très 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 réceptive. Alors, on me dit forte comme une hypersensible. Je n'ai pas lu le bouquin. Ouais, ben, il y a de ça. Parce qu'il y a Neptune, il y a le scorpion, donc il y a déjà une sensibilité, une aspiration vers des choses, vers des choses qui sont vers le haut. Effectivement, le sentiment d'être agressé par la moindre chose fait que c'est très compliqué de. Ça rejoint la question de la personne tout à l'heure. Je suis très très sensible, donc très avant. Donc il y a une grande sensibilité. Moi, je vais même dire une forme de médiumnité qui capte beaucoup, qui fait qu'à un moment donné, ça en devient très. On a du mal, c'est-à-dire que si on n'est pas très hypersensible comme ça, on a du mal à comprendre cette structure. Et cette Je la structure. comprends en tout cas. Pardon? Je ne la comprends plus. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir être dans le monde. Parce que la spiritualité, et on voit qu'on en manque énormément, sinon l'état du monde ne serait pas comme il est. Quand on a des personnes comme ça, comme toi, très, très sensibles, etc., à un moment donné, ça devient problématique. Donc voilà, ça devient handicapant. C'est-à-dire qu'on connaît une personne qui a un peu la même configuration et elle ressent absolument tout. Donc ça peut être une parole, ça peut être une vibration. Et donc on se fragilise au fur et à mesure. Oui. Et qu'après, ben, on se dit, ben, plus avancer, ça peut même aller parfois vers la déprime, Oui, pourquoi pas, ou on même peut. une dépression où on n'arrive plus à gérer. Et donc il faut rééquilibrer, c'est-à-dire ce qui l'idée c'est de rééder, de éduquer ou de rééduquer à être dans le monde. Donc effectivement, tu as raison, je me permets de te tutoyer aussi. Voilà. En fait, tu as raison dans l'idée où, effectivement, si au monde matériel, on va nourrir l'âme, mais on va dire qu'il y a tellement une forte aspiration vers le haut qu'en fait, pour toi, tu n'arrives plus à être là, quoi. Donc, Non. progressivement, il faut aider à spiritualiser, le mot exact c'est matérialiser le spirituel. Et là, il semblerait qu'il y ait quand même une fragilité. Certes, tu as du mal à sortir, tu as du mal à Ah vers l'extérieur. oui, l'extérieur m'effraie. Voilà, donc là, on est entre. Pourtant à Ouais. lire. Et à me documenter. Et il y a un phénomène aussi
qui a bousculé un petit peu ma vie, c'est que je suis née de parents musulmans. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que pour moi, comment dire ça? Je vais vous donner l'exemple suivant, c'est que ma nièce qui est issue d'une culture donc par mon frère musulmane et de sa maman catholique, m'a posé la question. Elle m'a dit, mais Tata, tu es de quelle nationalité, de quelle religion? Il y a ça, 5-6 ans. Et depuis, j'ai été bouleversée parce que je lui ai répondu que j'étais que ma religion, c'était celle du bien. Oui, parce que là, il y a des Et religions, que des et on voies, le dit donc il y a au-delà de ce qu'on peut être, vraiment. au-delà de tout ça. Mais en même temps, on a Suis besoin les trous. d'être Je aussi vis catholique et musulmane. Enfin, j'ai dépassé ce cap-là. oui. Et ça peut paraître un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est que pour lui montrer que je dépassais ça, j'habitais chez eux à ce moment-là, enfin avec elle en tout cas, la petite, j'ai mangé du porc. Chose que je n'avais jamais faite, non pas par conviction, par habitude. Et ça a bouleversé, ma vie. Ah oui, est-ce que vous posez un acte très très fort? Tu poses un acte très très fort Oui, pour elle, intéressant, et pour moi aussi, parce que un interdit fondamental. Un interdit fondamental. ah bah complètement, Donc complètement. ça c'est une chose, Pour elle, c'est un besoin prouver d'ouverture, que mais dépasse ce dans, pour ça. moi c'est un Écoutez-vous, besoin écoutez-vous, parce que là, vous parlez assez l'un par-dessus important l'autre, et là. incarnation ici. Oui, il y a un petit, ça se chevauche. Oui. Je t'écoute, Patrick, pardon. Oui, non, c'est vrai qu'on s'est un peu chevauché. Donc déjà, ça c'est une inspiration parce que tu as Neptune. Donc Neptune, c'est vraiment la spiritualité, c'est l'universalité d'une manière très vaste, hein, parce que Neptune, ça représente la spiritualité. Donc le Neptune est très 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 fort. Donc c'est pour ça qu'il y a une aspiration à quelque chose de vaste. Mais pour pouvoir être mieux, il y a garder cette ouverture en entrant dans la partie incarnée des choses, donc par rapport à cet état un peu de dépression, de déprime, de pouvoir peut-être être aidé, peut-être être accompagné en ce sens. C'est un peu comme si tout le système a craqué, moi, ce que je ressens, c'est ça. Comme s'il y a eu quelque chose qui a craqué à l'intérieur. Et donc, en même temps, cette ouverture, cette ouverture au plus vaste, doit être aussi intégrée dans comment je fais avec ça et comment je reprends pied. Hein, c'est comme si je ressentais un grand déchirement intérieur, qu'il y avait une ouverture ici, au niveau de la poitrine. Et en même temps que cette ouverture peut provoquer un peu une fragilité parce que ça s'ouvre d'un coup, quoi. Et peut-être que tout ça, le fait de perdre son travail, tout ce qui arrive, ça arrive aussi dans le sens où, parce que l'aspiration est plus grande vers le haut. Et après, c'est comment je fais avec ça, comment je fais quand ça s'est ouvert comme ça. Eh bien, c'est comment. Tout doucement, c'est-à-dire que là, il faut utiliser des techniques très très douces pour
Faut pouvoir, déjà, tu es sorti déjà d'un certain carcan, mais c'est comme si dedans, il y avait, c'est comme s'il y avait eu plusieurs chocs intérieurs. Et donc, quand c'est comme ça, bah, il faut doucement rééquilibrer. Est-ce que tu as déjà fait un travail avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, ton patron? Oui. 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 J'ai vu psychologue, psychiatre, mais ça n'a rien donné. J'ai pas l'impression d'être comprise. Ouais, Et comme tu l'impression que tu n'es dis. pas là, en fait, l'impression que qu'il y a quelque chose qui a besoin de c'est-à-dire qu'il y a eu cette grande ouverture, comme tu me dis, ce choc-là, le fait de plus dépendre effectivement d'un ordre ou d'un religieux, et maintenant il faut redescendre, c'est-à-dire il faut aider à redescendre. Parfois ça nécessite un accompagnement. Mais si on n'a pas la dimension spirituelle, c'est-à-dire si on ne voit pas qu'effectivement, depuis, il y a cette aspiration-là, eh bien, on comprend qu'effectivement, déjà d'une manière générale, quand on a cette configuration, ce n'est pas évident d'être là. Ce n'est pas évident d'être là. Ce n'est pas Non, évident. c'est pas. Voilà, ce n'est pas évident d'être dans notre incarnation. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Mais pas avec des gens, comment dire, pas avec des médecins qui ont les pieds sur terre, quoi. Enfin. Non, faut justement, Mais il comme faut disait qu'il y ait les deux. Patrick, qu'il y ait les deux. Faut qu'il y ait cette part de spiritualité, de transcendance, si tu veux. Voilà. Mais aussi, Oui. C'est pas avec la partager. pardon de le redire. En tout cas, Voilà, c'est bien de laisser l'émotion s'exprimer, de laisser aussi quand tu l'émotion s'exprimer. es. Effectivement, il y a eu un énorme craquage. Voilà. Et j'étais. J'aime pas parler au passé, mais c'est pourtant ça. Hein. J'étais très dynamique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait 48 pays. Bien. Aujourd'hui, ça a tellement craqué que je n'ai plus l'énergie. Voilà, c'est pour ça que je parlais moi d'un craquage énergétique, quelque chose a craqué. Donc comme Mais ça, on peut vraiment. l'appeler. Ben oui, ça arrive. On peut l'appeler. On À peut plat. l'appeler. On peut l'appeler burn-out, on peut l'appeler. Et donc là, du coup, il faut réapprendre à réaccompagner ça. À réaccompagner tout ça. Voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est que ce craquage énergétique et ce changement de mode de vie, parce que je me suis isolée, justement, à lire beaucoup, 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 beaucoup sur la spiritualité, sur les religions, sur tout, c'est que ma famille, qui n'est pourtant pas pratiquante du tout, mais m'a laissé tomber finalement en Oui. disant elle a bravé l'interdit, ok pour l'ouverture, tout ça, mais là c'est trop quoi. Mais en même temps, dans ce que tu as dit qu'il y avait aussi beaucoup de choses, que tu vivais à 100 à l'heure, etc. Et donc, il y avait Oui. un rythme très, très puissant qui fait qu'à un moment, Avant. si c'est trop, trop puissant par rapport à cette sensibilité-là, à un moment donné, ça. C'est une quelque part c'est aussi une je veux dire entre guillemets une chance parce que ça peut permettre aussi de recommencer un nouveau paradigme. Et quand il arrive quelque chose comme ça, surtout dans l'intérieur, c'est qu'il y a à changer quelque chose. Donc il y a à reconsidérer évidemment le spirituel tel qu'il est, avec cette connexion qui est là, qui était toujours là, c'était toujours là. Et en aidant à soigner en fait, qui est déchiré, ce qui est explosé,
pour pouvoir redescendre, c'est-à-dire que l'énergie ici ne descend pas non plus dans tes jambes, dans ta une partie Non. qui est un peu ailleurs. Il y a un juste milieu. Quand est-ce que c'est arrivé ton clash là? Voilà, parce qu'il y avait trop, 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 trop. Donc d'une Ouais, part, j'avais c'était too trop, trop, much. trop de pression. Et d'un autre côté, il y avait cette hypersensibilité. Donc il y avait, Ouais. il y a plus, c'est un peu comme si on a plusieurs morceaux qui doivent se réunifier. C'était Donc là, quand il faut ton clash, vraiment pas Nadia? laisser comme ça. Mon clash, c'était il y a 5 ans. Ok. Il y a 5 ans. Et en fait, un élément que je dois vous dire et qui est important. Alors, on dit, et je le pense, un premier à l'école, dernier dans la vie. Moi, j'ai eu mon bac à 15 ans. Ah ouais. Et donc. Excusez-moi. Mais non, t'as pas à Non, non, mais t'excuser. laisse sortir, laisse s'exprimer ce qui Donc, vient. j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans mes études et j'ai été autonome. J'ai quitté la maison, j'avais 16 ans. Et je me suis battue, 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 battue pour réussir. Mais c'est. Et il y a 5 ans, je me suis dit, c'est quoi réussir? Bah, t'as vécu ta crise d'adolescence. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas eu d'enfance. En fait, c'est une grosse crise, hein. Ouais. Mais À c'est... l'époque, c'est la seule façon, excusez-moi, je dis juste ça, la seule façon de m'en sortir. Et c'était l'ascenseur social qui était l'école de la République. Mais Et c'est je me bien. dis, heureusement que j'ai eu ça, parce que ça arriverait aujourd'hui. Oui, on peut faire des choses, mais il faut avoir l'énergie pour le faire. Alors là, l'énergie, elle n'est Elle pas est plus là, ouais. suffisante à remettre en route, à remettre en selle. Hein. L'image, c'est quelqu'un qui trouve du cheval, qui court à grande vitesse. Mais je vois pas Donc vers là, qui. voilà, il faut faire quelque chose, il faut travailler avec quelqu'un, quoi. On ne peut pas laisser comme Non. ça reste un peu à dérive. Donc il faut faire un travail, ou même voilà, énergétique, ou de parole, avec quelqu'un qui est ouverture. C'est pour ça que je disais l'idée du transpersonnel, c'est ça, c'est de travailler sur l'ouverture d'en haut, mais aussi sur l'incarné. Et quand on est comme ça, c'est pas facile parce qu'en général, on peut plus rien faire, quoi. On est vraiment réduit à zéro. Là, je suis à plat. Ouais, c'est normal. Et quand je dis c'est normal, je dis même c'est naturel, hein. Surtout culpabilise pas, hein, Nadia. C'est super important de ne pas culpabiliser parce que ce qui t'arrive, c'est pour le meilleur, hein, sérieusement. Hein. Mais c'est normal que l'élastique, il craque là. C'est normal. Et en même temps, tu pouvais pas faire autrement. Comme tu dis, 15 ans, 16 ans, t'es parti, autonome, t'as pas réfléchi et t'as fait ce que t'avais à faire. Oui, puis je suis quand même fière de moi. Ben oui, bien Je sûr. suis toujours. Ben, la fierté, J'ai c'est d'être toujours là, et de pouvoir se relever, en fait. Et là, on a cette capacité de, comme dit Cyrulnik, de la résilience. Alors qu'on a cette capacité à vivre des choses extrêmement difficiles, mais quand on regarde, on est capable de se relever. Donc on est un peu là, mais parfois quand on est tout en bas, il faut qu'on soit un petit peu aidé. Moi, et heureusement que je crois à ça. J'ai Oui. pas lu le bouquin de Philippe Labro, mais en fait, tomber 7 fois, se relever 8, c'est pas grave de tomber. Là, je suis tombée, mais je n'arrive pas à me relever. Parce qu'il faut faire quelque chose du point de vue. On ne peut pas rester comme ça et il faut un accompagnement pour aider à redonner un peu comme le L'impulsion. starter, pour donner l'impulsion starter, parce que ce n'est pas qu'un effondrement énergétique, c'est aussi un effondrement Le fondement de la sur le plan psyché, ouais. Ouais, c'est un peu tout, là. psychique, Ouais. énergétique et Oui, c'est corporel. Et un quand c'est comme ça,
Voilà, il faut se faire aider. Pas d'autre solution. Après, il faut trouver le bon accompagnement. Et ça, c'est voilà, c'est aussi parce que le plexus, là, il est complètement vidé. Il y a plus d'énergie pour faire. Hein. Il n'y a plus d'énergie, c'est vidé. Oui. Donc, il reste la tête, il reste la réflexion. Voilà, la tête qui dit qu'est-ce que je peux faire? M'avais dit qu'effectivement, j'avais le chakra du numéro 3. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais il me semble que c'est le cœur. Hein. C'est la volonté. Non, le 4, c'est le cœur. Le 3, c'est l'estime de il y a soi et grande fatigue. C'est notre batterie, quoi. C'est pour ça qu'on le représente par le Ah soleil. oui. Bah oui, s'il y a pas ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jeu, c'est une batterie morte. Donc C'est pas voilà. exactement le soleil, hein. C'est La pas couleur le soleil, jaune. c'est mort. Hein. C'est pas le soleil, c'est mort. Je parlais de la couleur Ma jaune vie, pour c'est représenter. éteint. Le quatrième, c'est le troisième, c'est Mars. C'est l'énergie vitale. Donc cette énergie-là, c'est cette énergie de. Donc il faut tout doucement retrouver ça, retravailler ça, mais il y a en même temps un travail énergétique et psychique à la fois. Voilà. Mais ça Ouais. se. Que celui qui est Ça tombé, faut tout à fait enlever. bon parce que si j'ai pas l'énergie, j'ai l'impression que je peux pas aller voir quelqu'un et je ne sais pas qui. Donc Et voilà. faut commencer à remettre en route cette énergie. Ça peut se faire aussi à distance, avec des exercices. Ça peut se faire à distance. Travailler. On peut remettre en route même pour quelqu'un qui est à On va distance. parler de neurofeedback. C'est une technique. C'est une technique. Et c'est vrai que la première chose dans ces cas-là, c'est déjà de retrouver un peu d'énergie qui permette d'avancer. Donc, il faut trouver quelque chose qui remette en route l'énergie, qui refasse recirculer. Déjà, il y a plus d'énergie psychique, parce qu'il y a l'énergie physique, il y a l'énergie psychique, il y a les deux. Allô? Oui, c'est ce que Oui. disait Patrick, il y a l'énergie physique et l'énergie psychique, il faut remettre les deux en route. Donc, Ah oui, alors. c'est encore une fois, c'est la batterie, pour reprendre cet exemple-là, c'est comme si vous... En fait, votre hypersensibilité que vous avez, Nadia, elle vient justement du fait que, vu que vous avez plus de coque de protection, donc en fait, vous êtes du fait d'être vide, bah, vous êtes comme une coupe qui peut prendre tout et n'importe quoi. Donc vous n'avez plus de barrière naturelle, si je puis dire. Donc il faut tout reconstituer, mais gentiment, petit à petit, avec douceur. Vous avez besoin de douceur, en fait. C'est une crise d'adolescent. Quand un adolescent a une crise, bah, il y a toujours quand même papa, maman qui est là et qui est compréhensif, qui est là pour l'accompagner ou des amis, etc. Là, vous avez un âge, vous avez 45 ans bientôt. C'est pas la même une crise d'adolescence à cet âge-là. C'est sûr que c'est compliqué. Donc, c'est pas forcément simple, mais en même temps, il y a tout. C'est salvateur pour le reste. C'est beaucoup mieux. Donc, encore une fois, savoir demander de l'aide, c'est important. C'est ce que vous avez fait ce soir. Donc, Patrick vous donne certains éléments. Vous pouvez le faire à distance. Vous pouvez l'appeler, le contacter et puis voir éventuellement si vous pouvez travailler On ensemble. peut voir ce qui peut être fait, en En parler. contact avec. Okay. Peut en parler, regardez. Ok, mais en tout cas, c'est bien déjà que l'émotion soit sortie parce que ça va permettre de lâcher un peu ça et la parole aussi. Je m'en excuse encore, c'est. Non, mais Alors, bon, juste un c'est parfait, au contraire, c'est bien. peu. C'est C'est. pas trop. Alors, les seuls points. Les seules fois où j'arrive à trouver de l'énergie, et je ne sais pas d'où elle vient, c'est pour ma maman. Pas très loin de chez moi. Et quand elle m'appelle et quand elle a besoin de quelque chose,
Bah, je suis la bonne élève, quoi. Je suis la bonne petite fille qui fait ce qu'il faut faire. C'est tellement dur de cacher. Je vous Il y en invite, a beaucoup, hein, Nadia, qui à appeler cachaient, hein, ça Patrick. déborde. Bah ouais, appelez Patrick, vous avez son numéro, son site internet, vous avez tout ce qu'il faut sur Immedia, sur le site internet. Vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo YouTube. Vous avez, vous cliquez sur Oui, l'article. là, c'est pas Discord. Je saurais le retrouver, il n'y a pas de souci. Oui, ça va Je aller, vous hein. remercie. Allez. Je Bon, tout vous bien, là. remercie de m'avoir Ben merci écouté. d'avoir appelé, merci de votre confiance. Si ce Ah témoignage. oui, je Oui. fais confiance. Bonne soirée. Merci, puis vous allez voir, c'est pour le meilleur. Là, vous avez Ouais. vécu le plus dur, là. Franchement, hein. Il faut remonter. Merci. Et Pas de puis, je vous remontée. tiendrai au courant. Mais oui, C'est bien bon. sûr. À bientôt, Nadia. Bon, ça ira mieux. Au revoir. Allez, Au au revoir. revoir. Merci. Merci, au revoir. Voilà, donc mon cher Patrick, on arrive à la fin de cette émission. Déjà. Déjà, et en même temps, on peut dire que c'était une émission très, très dense, hein, ce soir, hein, quand même. Alors, il y avait des interventions qui étaient intéressantes dans les témoignages. C'était très intéressant, c'était profond, puissant. C'était intéressant de voir comment tu pouvais apporter ton regard. Et puis, un grand merci de ton temps et Écoute. de la richesse de ton énergie pour commencer cette nouvelle année. C'était super. Ben écoute, moi je te remercie d'abord pour tout ce que tu fais parce que c'est vrai que je te connais depuis longtemps et pour ton authenticité, pour la qualité des contenus, de ce que tu proposes. Et ça permet, comme on l'a vu, je remercie aussi les personnes qui t'ont bien voulu intervenir parce que ça montre à quel point les gens ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer. Pas du tout facile quand on est tout seul ou toute seule face à des choses qu'on comprend pas et qu'on n'a pas un éventail vaste et holistique. Donc on sait qu'ici, voilà, sur Immedia, il y a de très belles choses et donc voilà, merci de ton invitation et de ta gentillesse et de ta présence. C'est réciproque. Je te demanderai de rester avec nous le temps de dire au revoir à nos amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à faire suivre cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes autour de vous. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement si vous sentez que ces émissions vous apportent. Écoutez, 1 € par mois, ça serait super. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir d'être, on va dire, payé, récompensé au regard de ce qu'on vous donne. Voilà, on vous dit la semaine prochaine, bah, je vous retrouverai pour le Darshan du mercredi. Et sinon, bah, c'est le mois prochain pour les rencontres de l'inconscient, puisque je vous le rappelle, c'est tous les premiers samedis du mois à 21 h jusqu'à minuit. Sur ce, je vous dis au revoir, prenez soin de vous, bon dimanche. Et à bientôt, on se quitte avec le générique. Bye bye. Salut Patrick! On a eu du mal à démarrer, mais après c'était vraiment intéressant pour les deux personnes.
fait, je me proposais le travail dans dépression profonde. Hein, donc là, il faut un travail thérapeutique. Alors, ce qui serait bien, si tu pouvais techniquement, c'est quand tu m'envoies l'émission, que tu coupes la partie technique où on a tout ce truc-là, tu vois, au début, où ça patauge pendant... C'est possible pour toi d'enlever la première partie où il y a des... que ce soit bien.